Ah bah non. Mais putain mec, mais Il si est je bien restais là groupé. avant même que t'étais là, avant que tu sois là quoi. YouTube Gaming. Qui me parle sur cet Azu, homme? voilà. Mais il Bah, tu seras un fait, je petit te peu en l'ai retard dit, hein, il aussi. sera à la bourre. Après, hein, pour faire les trashs, ouais, si peut-être bon, moi les premiers, on peut les faire sans eux. Hein. T'attends à taper plus que 15, non? Sakaku, vas-y, poule, je te suis. Ouais, bien sûr. Je laisse passer avant. Je te heal, t'inquiète, je te heal. Attends, Ça va le regarde. foutre dans la merde parce qu'il rentre forcément en combat, je pense. Regarde, je vais te mettre un truc, mais Allez-y. avec ça, tu peux traverser le monde, quoi. Vas-y. Oh, merci la récupération. Ça va, me... Sound muted. Pou, vas-y, poule, je te suis. Ouais, bien sûr. Je laisse passer avant. Je te heal, t'inquiète, je te heal. Attends, Ça va le regarde. foutre dans la merde parce qu'il rentre forcément en combat, je pense. Sound Jamais resumed. content, celui-là. Putain. Easy, tu commences pas, s'il te plaît. Easy peasy. Le mec, il commence déjà à faire ses tours sur moi, quoi. Ma base. Normal. T'es un mec un peu détestable, donc tout le monde veut te tuer, quoi. Ouais, bah c'est exactement ça. L'ingratitude, maintenant, laisse tomber. Il n'y a plus aucun respect pour quoi que ce soit, quoi. C'est honteux. Non, mais c'est honteux. Con, Xou. Fais coucou à ta maman, Xou. Maman! C'était la dernière fois, Zilot. J'en avais pas besoin, moi, de ces choses. User joined your channel. Yo. Yep. C'est quand les quarts de finale? Ça doit être dimanche prochain, c''est ça? Ouais. Curling, tu fais raison, mec. Tu dois te marrer à passer le balai sur le gazon, tiens. Je sais pas, c'est quel poste le plus dur, quoi. Pour le lanceur ou pour ceux qui utilisent les rôles des femmes. User left your channel. Je pense que Xe a essayé de faire de l'humour, mais j'arrive pas à comprendre. Non, non, mais je crois qu'en fait c'est parce que c'est un sport chez eux. Et en fait, comme ils sont. Enfin, Zilot veut corriger. Non. Le cricket, c'est pas le sport anglais là? Le cricket, c'est. C'est pas le ouais, truc avec une des qui... enfin, une quille ou je sais pas quoi, non, faire un chemin parce avec. que. Taper dans une boule là? C'est comme. Cricket, c'est le croquet. En Ah, gros, il merde. les sports, enfin, les événements sportifs les plus regardés, c'est les JO, la Coupe du Monde de foot, et genre en troisième, il doit y avoir genre le Super Bowl. Non, c'est la Coupe du Monde de rugby. En troisième, t'es sûr? Eh ouais. D'où pourquoi pas mal de gens s'interrogent en marquant est-ce vraiment que le troisième sport le plus Bonjour. regardé? Yo. 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 C'est bizarre, mais enfin, ouais, Non, je sais pas mais le Super Bowl c'est regardé par 280 millions de personnes et c'est qu'une fois par an. Ouais, voilà, Comment c'est tu le ça, sais? parce Tu que les as c'est comptés? différent. T'es sûr de ça? Ouais, je suis sûr, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis sûr. Je fais le tour un par un, je fais du recensement, pose un Bonjour problème. monsieur, est-ce que vous regardez le Super Bowl? Non? Tu sais qu'il Ok, y a au revoir. le Tour de France aussi qui est vachement regardé plus qu'on pense. Et la Coupe du Monde de cricket aussi. Et ça m'a paru bizarre quand j'ai vu ça. J'ai entendu ça Le criquet? à la radio il C'est y a pas normal, longtemps. c'est les Indiens adorent ça et ils sont Bah, en c'est ça. milliards donc. Ah bah c'est. Voilà. Et le Super Bowl, ouais, c'était un truc. Enfin, un truc de fou. Genre, C'est c'était un pas assez c'était aussi bas. C'était genre 600 000. Enfin, Non, aussi bas non, dans le classement. 600 millions, je crois. 280 millions. Ça, j'ai cru que t'allais dire Sûr. 600 Mais milliards de personnes. non, non, bah j'ai entendu ça à la radio ce matin. Qui suivent en direct à la télé. Les mecs, pas du Alors, tout en train de c'était pas mentir, tu sais.
Et les championnats du monde de Quidditch sont... Voilà, faut toujours qu'il y a un mec qui vienne casser la conversation, quoi. On est en train de se marrer, il casse l'ambiance direct. Bah putain, t'es vraiment un... T'es le pire. T'es vraiment un... Alors, comment je fais un tic de masse? Il est où, un ballon? Ah, t'es là. Tiens, un ballon. Je te mets un cœur. Eh non, t'es pas remplacé. Eh, un ballon, tu veux un ballon? Toi, par contre, tu vas le prendre. T'es groupé 10 fois, Chorizo, là. Vas-y, vas-y, comment je chiotte encore? Bah, t'as rien reçu. T'as reçu, mais t'es pas là, c'est tout. Un spot de 30 secondes pendant le Super Bowl de pub, ça coûte 4 millions de dollars. Ça va, c'est pas cher. Ouais, c'est la période. 150 000 c'est... dollars par seconde. Ça coûte le c'est l'espace publicitaire le plus cher au monde, par contre. Ouais, j'imagine bien. Il y a eu 115 millions de personnes aux États-Unis. Regardez. Ah, mais Zoué, t'as pas dû voir le mec, il vient de marcher dessus. On peut aller faire les trashs. Cool, ça fait plaisir. On est plutôt con. Attends, il va falloir que j'arrête. Comme maintenant je peux, je vais claquer une ruine, j'en ai rien à foutre. Ah, ça y est, t'as fini? Ouais. Il est coquin. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont à 20% de leur barre de réputation. J'en ai mis à l'HB si tu veux, mais elles sont toutes parties. Oh merde. Sinon, ils sont en train de pull, hein. Dit comme ça. Oh putain. User entered your channel. Tu veux que je te fasse perdre, Crash, déjà? Non. Ah, mes dreams, faut pas aller plus vite que moi, hein. En 20. Imagine, tu vas faire 69, mec, ça se voit. Je suis pas confiant avec mon... Ta gueule. T'sais, la dernière fois, il a fait 98, il a réussi à perdre, hein. Ouais. Non, j'avais fait 96 et il m'a fait 98. Ça, ne raconte pas. Tu peux mettre une pen sub s'il te plaît, Nielandra, si tu m'as. Trop de bobards dans cette room. Arrête de bouger. Enfin, vous jetez pas sur les CD quand on demande une pen sub, quoi. C'est ça, je demande une pen sub, t'as une sacrée qui arrive en même temps. Ah oh, putain. Pour une fois que je la demande, quoi. Merde. Mais. Ouais, pour une fois en plus. Mais. J'en ai marre de cette putain de démo, t'as là, quoi. J'en ai marre de ces fiers, voilà. Regarde pas trop, Chorizo, j'ai pas eu le choix. Oh nice, j'ai un proc sur un boss qui a 62k de points de vie. Mais. J'aime bien ces trashs. Et si. Ici, on est mort sur les trashs. Ah, réussi encore. Mais revenez vite, c'est parce que ça reset le vote. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Restez en vie, restez en vie. Ah, vous mourrez, vous... on est mort à cause de quoi d'ailleurs? Bah, de l'île en fait. Avec Kenny Elendra et Eurek. Bah, il y a des sanctions, hein. User entered your channel. Ah, allez où, Harry? Je suis pas si, vas-y. Elle arrive, elle est là. User disconnected from your channel. Donc Zou, t'es censé être il. Ah. Enfin, en même temps, voilà, si personne lui dit, le pauvre. Lui dit. Il était pas AFK, lui, il était bien là. Dilote, il ce soir. Non, sur les trash, parce que tous les ils sont AFK en train de se toucher. Oh, ça reset. Et tu nous as fait entrer en combat. Hein. Putain. Non, moi je suis mort. Simplement. User entered your channel. Je vous propose de tous venir vers moi au lieu de courir partout avec vos petites ailes. Mais t'es où? Merci. Mais Lyvain, tu l'as lancé, il y a encore les portails et tout. Donc là, on fait Lyvain dans la salle de Secret Art, c'est ça le truc? Ouais, mais j'attends que tout le monde soit là en fait avant d'avancer. Ok, t'as raison. Ah, je peux pas. Je vais dire pourquoi je peux pas utiliser TP et puis en fait. Ah, toi aussi tu t'es trompé, Izzy, lol. Ok.
Trax, tu peux pas utiliser le DP pour aller en... Enfin, tu peux utiliser le DP pour aller à l'antichambre si tu veux. Oui, non, mais on est justement allé à l'antichambre avec. Y a, en plus, il n'y a aucun moyen d'y aller à pied. Ah si, en passant par Gorfin et Iskar. Oui, c'est pas non, c'est quand tu vas à droite, t'as des escaliers. Chier, je peux pas rentrer dedans quoi. Est-ce que c'est bien tôt qu'on va tous être là pour aller faire les trash? Mais on peut pas utiliser. Et pourquoi on peut pas en fait? Moi je suis en combat, je peux pas utiliser le TP. Bon, bah, bon, bah, si faut wipe. Wipe là. Moi je peux aussi, pas non plus. Ok, bah j'arrête de heal. Je suis pas en combat. Ah, ça, vous voulez pas les reset parce qu'en fait ils vont pop à l'infini. Ouais, bah on va reset. On est en train de mourir. Genre, ouais, après, donc, si les gens étaient là dès le début au lieu d'aller se toucher voilà, la ça, nouille, ouais. Ça aiderait quoi. Si on était pas de heal sur les trash. Je heal pour les trash, je m'en fous, je repasserai pas mon king tant qu'on est pas de heal. Allez, vous crevez là, vous revenez, on fera un appel à un DBM pool, comme ça y'aura pas de problème. Ah, mais il est 38, mec, les gens qui sont à FK là, tu leur enlèves leur EP tout de suite. Hein. Et ils ont reset ça. Ah. Je sens une espèce d'amertume par rapport à une histoire de poker. T'enlèves les EP, bordel! Ah non, mais non, non, je m'en fous. C'était bien au moins? Ouais, bah oui, c'était bien. Non, je suis désolé, je pensais vraiment rentrer plus tôt. En fait, quand j'ai dit au président. Est-ce que t'étais parti dépanner en fait? Ah ouais, moi je. Non, mais quand je dis au président de mon assos que j'allais certainement me barrer vers 21h30 parce que voilà, j'avais envie de rentrer. Il t'a regardé, t'as dit de baisser son pantalon. Bah, il m'a je dit, dois aller tuer un boss sur un jeu virtuel. Voilà, c'est ça. Et du coup, il m'a dit bah ouais, non, faudrait que tu restes rangé. Si tu peux rester et tout, du coup, je fais bon. En vrai, toi, t'as baissé ton pantalon, t'as dit ok, d'accord, il n'y a pas de soucis. Et, c'est ça, c'est trop ça quoi. Alors, en fait, vu que ça tu t'es mis à genoux. Si, il lui a collé un chèque avec un plus gros chiffre sous le pif. C'est de savoir combien ils étaient dans le staff là-bas. Je sais pas. Tu l'étais, le président et lui. Est-ce qu'ils étaient plus de 19? Non, on était 10. Voilà, donc t'as mis plus de personnes sur le carreau en venant par aide. Plus tôt. Oui, non, mais d'accord, le truc, c'est que depuis le début de l'année, je suis dans la sauce et je fais un peu le fantôme, genre je suis allé à aucun événement. Mais c'est quoi ton assos là? C'est la sauce qui organise. Le truc des soirée échecs, enfin voilà. Non, mais genre soirée poker, enfin truc, tournoi. Tournoi poker, soirée poker. Le mec a l'air trop heureux de s'être inscrit là-dedans quoi. Je me suis pas inscrit, c'est juste que. En fait, on t'a forcé à t'inscrire dedans, c'est ça? Bah, un peu en fait. C'est comme ouais, quand okay, t'étais petit et que t'allais au catéchisme. Pas forcé. On t'a forcé. Mais... User disconnected ouais. From your channel. Vas-y là. Oh. C'est intéressant de s'inscrire dans une Arine, de poker là, que dans une association je sais pas. Nora. Sur quoi? Nora a des coups. Mais j'ai répondu donc je suis là. Okay. On peut y aller. Hein. Mais je suis déjà parti. Non Nora il a juste. Ça coup, c'est moi qui fermerai. C'est moi qui fermerai. User left non c'est moi. Allez. Oh ouais t'es clairement devant là. Genre le diablotin il touche pas quoi. Il a dit non pas lui. Bah non parce que ah, je suis des mots. Bah ouais. Plus. Il lui a parlé tu sais. L'âme qui murmurait à l'oreille des diablotins. Oh le très mort de PGM. Je sais pas qui l'a mis mais. Merci. Ouais. Oh celui-là j'ai pas. Celui-là c'est moi qui ferme là. Il reste un portail en bas. Il est mort, vas-y, trop skill. Trop skill. Et c'est moi qui le reste aussi. Allez, Nora, je vais interruption. Non. Du de masse. Oh le mec il a un proc. Ça existe plus ça. J'ai pas de proc. J'ai juste pas de dégâts. Oh putain. Yeah. Bah recrute. Je me mettrai une assise s'il te plaît Adrien. Non. Dommage je vais demander à elle. Je suis au bord de la dépression. Ah trop bien, j'ai un peu quand il reste plus à elle. Heureusement qu'Abalon est là pour donner. T'as vu? Putain, le mec il fait tout. Le mec il profite, y'a pas Zilot, vite! Il est pas là, Nora? Bah, il a une déco. Il a déco en quoi parce qu'il a encore. Pas combien de MS qu'il a en route. C'est normal, l'animé de Métis elle est connectée, et s'ils sont au même endroit. Comment ça, ils sont au même endroit? Bah, il m'a dit qu'elle avait 0 lag et que lui, oui. Bah. Y'a qu'à jouer sur son PC, elle. Faut qu'il change son. C'est pas bête ce que tu dis. C'est une technique, mec. C'est un peu AFK. Quel dé va mourir? Merde.
Ouais. DC Delta Das. Y a pas que la connexion qui pompe, apparemment. Oh là là. Ce mec. Tu peux plus rigoler. De toute façon, moi, la meilleure conversation de ma vie que j'ai pu avoir avec toi, Zeus, c'est quand on parlait d'un boss et que t'es arrivé en plein milieu en disant que t'avais mal à la bite, quoi. Là, c'était. Ça avait tellement de l'or ce jour-là, quoi. Ça fait longtemps, putain. Depuis, il y a mal au cul. C'est ça. Ah, ça a déjà fait un stun. Pourquoi vous faites des stuns à ce moment-là? C'est quoi ce délire? Mais comme ça, on a l'impression d'être fort. C'est monopène, je l'aurais pas. Ah, mais ça nique un truc. Ah, mais si tu veux, je reste avec FK dans un coin et voilà. Mais non, mais ça fait de l'ADR sur les mobs en fait. Du coup, pull sur un autre que la TDM. Comme ça, tu mets de l'ADR sur d'autres. T'as déjà eu? Oh là là. Oh, un stun. Non, ils sont insensibles. Ça sent qu'il y en a qui ont fait du défi entre temps. Oh là là. Franchement, il y en a qui ont gagné en niveau. Hein. Oh là là. Bah, Eldry, arrête. Si t'étais resté jusqu'au bout tout à l'heure, parce que t'étais barré, bah, t'aurais vu qu'on a fait des matchs. Jusqu'au bout. Bah, t'as vu que sur la fin, quand même, c'était maîtrisé. J'ai vu que sur la fin, c'était pas mal. Ça manque encore un peu de précision, mais. Ouais, le problème, c'est qu'on travaille que 2h à chaque fois. La mardi, on travaille de 14h à 23h à minuit. Ah oui, d'accord. Ouais, bah. Donc, en vrai, mardi, si on l'a pas repris. On n'est pas très bon. Mais d'ailleurs, je voulais vous le dire, si vous crevez sur la première salle, autant reset. Hein. Claquer un BRS sur la première salle, c'est de la merde. Non, mais les BR, ils reset à chaque fois en fait. Ouais. À chaque fois que tu pulls un boss, les BR, tu les récupères. Ah, donc okay. En fait, tu pulls le premier boss. Si vous voulez savoir un truc marrant, les BT, j'ai raid avec eux hier. Et la première chose qu'a dit Lazio quand il est arrivé sur le channel, parce qu'il est arrivé sur Zakun. La première chose qu'il a dit en arrivant sur TS, c'est ah, alors les Kunjawood ça a donné quoi en défi cet après. Ouais, je sais, il m'a vu. Genre, la première chose, hein, il est arrivé sur TS, il m'a vu sur TS, il fait alors Zilot ça a donné quoi la deal cet après sur l'IRS. C'est quoi, c'est bien, c'est du coup, je lui ai répondu, qu'il a un peu peur. J'ai répondu que j'en savais rien, parce qu'en fait j'en savais vraiment rien, donc du coup j'ai répondu, je sais. Et ouais, ça avait l'air de vachement intéressé. Mais je et sais. D'ailleurs, ils y retournent sur un autre, enfin un first, oui, mais je sais plus lequel. Oui, ils font les autres. En fait, ils font ce qu'on a fait. En gros, quand on leur a pris le first du BRS, eux ils étaient en train de reprendre du BRS et nous on a fait tous les autres. Bah, du coup, ils ont repris le BRS et ils reprennent tous les autres. C'est juste le temps que Danny soit stuffé. Et il est full stuff Danny maintenant. Bah oui, maintenant oui. Mais on est honnêtement là sur le timer du début, on est meilleur qu'après. Faut qu'on finisse et qu'on valide, mais sur le timer du début, on est pas vrai. Faites des rêves. BRBR. C'est bizarre, d'habitude c'est Doug, non? Et toi, tu peux pas t'empêcher de toujours l'ouvrir même quand t'as rien à dire? Ouais, je peux mettre la mettre dans la tienne. Moi, ça me ferait chier de tout le temps parler et se faire détester par la moitié de sa guilde. Mais... Après, je dis ça, je dis rien. Je préfère sucer les autres que m'enlever des côtes et me sucer moi-même. Bon, on a une bonne compo ce soir. Ouais, bon. Il y a Adrias. Donc on tombe rien. Adrias, c'est le carré. Non, pas ce soir. Je pense. Ah, mais Dungor, il nous écoute, la merde. La semaine prochaine, ouais, oui. Il nous écoute. Putain. Il y aura des BF, s'il vous plaît. Moi, j'avoue, ce serait pas mal. Qu'est-ce que je déteste faire des trash de merde. Bon, ouais, on va avoir du trash loot. Là, il me manque une ruine. Je vais pas manger parce qu'on va encore crever. Ça vaut pas rien. The good. Non, attends. D'accord. Ok, super. Ouais, Dungor, il est là. Drid devait pré-pouler tous les gars. D'accord. Ah, t'as pris deux stacks en fait et t'as fait autre chose. Oui, j'ai bien vu. Il paraît qu'il y a des zones violettes, faut aller dedans. À chaque fois, tu viens demander. Bon, le caractère, regarde. Ouais, t'es le seul à prendre, enfin, t'es pas le seul, mais il y en a plein qui ont plein de temps. Ouais, regarde, Izena, il en a pris, tu vois. Taku, il en a pas pris. Ouais. Pas besoin. Ça fait quoi de prendre ces deux violettes? Plus de 500 000 de DPS. 500 000. On peut pas. C'est beaucoup quand même, 500 000 pour cent, non? T'as une chance d'apparaître dans le top 10 alors dans ce cas-là. Oh, je te rêve, vas-y. Oh putain, j'ai hâte de pull ce boss là. Non, mais dis pas que tu le fais en feu par contre, Kadri. Pas cette semaine, la semaine prochaine.
Non, en 3 semaines quand on... Écoute, on fait un truc. Je le fais en feu, et si je suis premier, tu me laisses continuer en feu. Attends, c'était premier sur les deux là. Okay. C'était premier sur le boss et pas le premier en feu. Hein. Parce que sinon, c'est pas de nos brains, il nous met à l'être en l'air. Comme tu veux, ça m'est égal. De toute façon, je serai premier sur les deux donc. Faut faire les trash derrière au fait. Hein. Oula. Ouais, non, mais. Sérieusement, Eldry, par contre. Ouais, Eldry, t'as mis ça. C'est crack, ça, alors, du coup. Voilà. Non, mais. Ça sert à rien de couler à notre place, toujours. Mais rien du tout, mais arrête. Non, parce quoi, que je t'ai vu caster dessus, Eldry, c'est pour ça que je dis ça, mais. Voilà, c'est ça. Cast. C'est ça, voilà. D'accord. Soyez intelligent, par contre. Eldry, le fourbe qui essaie de faire passer la faute sur moi, quoi. Oh, j'en ai, moi oh, j'ai des stacks. Pourquoi t'as repris l'agro ouais. aussi comme un con? T'as pas moi le laisser crever. Hein. Je suis un mec sympa. Ouais. Dispel de masse. Oh putain. T'as des barres. Je peux pas, il est en CD. T'as coup, un Bérez. Je suis en CD. Le DK. Vraiment ce mendiant de Bérez. User entered your channel. Désolé. Alors toi. Au bon moment quoi, hein. Toi t'es un petit malin toi. Fallait attendre 30 secondes juste. Je te l'ai resté encore un trash. C'est bon, et puis il attend. Là, c'est bon, là. Tu peux te connecter maintenant, Nora. Très bien. Non, mais je suis cool, là. Hein. Oh, on a un chaman, je crois. Je peux avoir un raise manuel, s'il vous plaît. Oh non, je dois repasser des PS, quoi. Moyen d'avoir un G's. Ouais, mais seulement si j'ai un raise. Un raise de manuel. Pourquoi tu ris? J'ai pas le droit. Quand on connaît la strat, on s'applique, on fait deux poules de chauffe et on la défonce. Okay. Est-ce qu'on a des démos qui sont chauds de la gate? D'ailleurs, est-ce que tout le monde est chaud de la gate en fait? La gate. N'oubliez pas de remettre vos boucliers protectoniques à la place de vos potes. Ouais. C'est un petit truc, il y a Norek qui valide une partie, et vu qu'il a pas mal de taf, il y a Zilot qui reprendra pour les trucs utiles. Par exemple, pour vous dire quand est-ce qu'il y aura le marteau et qu'il faut prendre la porte démo. Alors, quand il vous annonce le truc, arrêtez tout ce que vous faites, absolument tout, vous mettez votre souris sur la porte démo, et dès que vous voyez que c'est sur vous, vous cliquez instant. Vous arrêtez le DPS. Hein. Cliquez pas, c'est pas sur vous. Le tché. Et ouais, dans sens, si vous êtes un peu trop lent et que le raid prend un tick, le raid est mort, hein. C'est ce qui arrive. Core. Après, quoi d'autre? Du coup, je vais refaire juste la rota avec les SLT, ça va être mieux. Les casters, vous pouvez déjà vous placer les cacs, vous retirez, et les casters, vous placez. Ouais. On voit où. Oh là, c'est quoi cette arène dégueulasse qu'on m'a donné là? La arène, c'est combien? C'est 4 5 5 5. Oh, il y a largement la place, hein. Le mieux c'est que ce soit au fond les gens qui ont un blink. Pour aller mettre le marteau au cac et les casters qui ont le moins de mobilité qui soient le plus près du boss. Par contre moi j'ai pas de. J'ai oublié de prendre des shieldtroniques. Il y en a dans la BDG ou je vais en chercher? Je sais pas, attends. C'est les ingés qui craftent ça? Non, pardon, c'est. Peut-être, je sais pas. Bon, il y en a en BDG. Hein. Non, mais je vais en crafter, c'est bon. On les a jamais utilisés donc. Bon, bah laisse tomber, je peux en crafter 10 000.
laisser comme ça. Dites-moi si vous voyez des petits trucs à modifier, là. C'est quoi ce chapeau? Oui, le deuxième, il est en P2, pas en P1. Oh, il est dégueulasse. Ouais, il est en P2, c'est pareil. Le petit toc de chef, là. Ah, t'as changé de transmo? Oui. OMG. Pire en pire. Par contre, là, comme on a eu une ID en plus par rapport à la semaine dernière, normalement, on devrait burn les phases rapidement. Surtout ouais. La P1, ça devrait être beaucoup plus. Bon, Henry, je pense qu'il y en a assez, là, tu peux lui donner. Ouais. On aura peut-être pas besoin de 40 000. Après, 40 poules en P3, donc. N'oublie pas le live log aussi, vrai. Oh là là, mais vous êtes magnifique ce soir, vous êtes parfait. Vous êtes chaud, les gars, ce soir. J'ai même pas le temps de demander, moi je demande tout le temps après le premier pool. Tu penseras à Log à partir de maintenant. Merci. Qui c'est qui veut des chiltroniques? On tourne à... Personne? Je préfère ma potion de soin. Vous en avez pas? Non, mais non. Ah si, si. Comme d'hab, il y a juste. Si vous en avez pas, vous n'hésitez pas à demander. Le fait qu'on ait plus d'EPS, ça empêche pas qu'il faut quand même s'appliquer quand on a la frappe et les marteaux, oh. Genre. J'ai souhait. Ok. Merci de nous partager ce moment d'intimité, c'est très sympa. Merci Zilette. Désolé, c'est pas vous qui m'étonne, je peux rien. Kiara, Crax, vous êtes bien placé là? Ah non, pardon, oui, non, je sais. Horizo, pareil. C'est lui qui triche. Xou, t'as vu l'engraissement? Ouais, ouais. Nora, t'es sûr que tu veux te mettre là? Mais est-ce que tu l'as compris? Oui, pourquoi? Tu m'as réveillé. Donc du coup t'as jeté sur la deuxième tempête, parce que en général c'est un peu chaud, et... Et celle-là t'es sur le deuxième marteau. C'est celui quand on passe en P2 qu'on va se packer au cac, juste là il y a un marteau, tu vois. Y a pas encore les fontaines, on est tous pas. Non, y a pas les fontaines. Okay. Enfin, de toute façon, tu le mets sur nous et si c'est 3 fontaines, bah il y aura 3 fontaines à côté, tant pis. Et si t'as un PGM, t'as un déplacement totémique qui le met pile entre nous deux et qui prend tout. Bah, le justement, monde. C'était pour ça, savoir si. Non, sur le premier tour, pardon. Non, non, t'inquiète. T'auras pas besoin, sinon le reste c'est comme d'hab. RC... Ah, y a pas la smoke. Qu'est-ce qu'on a à la place de la smoke qui pourrait changer? On a pas de DK. On va faire sans la smoke. Hein. Bah ouais, je crois que t'as pas le choix. Ouais, mais on a 2 RC. Du coup, Dreams, tu claques le tien sur le marteau de la P2 quand vous claquez les 3 minutes là. Et Izena, tu le gardes pour la P3. Je te l'annoncerai, ok? Ça. Tu le mettras sur le premier bump du boss. Tu vois à peu près quand c'est? On se retrouve. La porte verte. Ouais, on se retrouve vers là-bas là. Vers le signe vert. Le boss il va faire Gavel of the Tyrant. Et quand tu fais le Gavel of the Tyrant, tu mets ton. Tu t'es fait du mal. Surtout, en fait. Ah, c'est pas une association pour apprendre à parler anglais, hein, c'est clair. Putain. Par contre, la P1, la P2, normalement ça va. En P3, vous paniquez pas, on se déplace doucement pour pas crever. On se met dos au mur pour être bum dans le mur pour pas prendre de dégâts. Et y a pas de stress à avoir. Pas besoin de paniquer. J'annoncerai les déplacements sur les remparts du tyran. La rota kick, du coup, vu qu'il y a Xu qui est en heal, il n'y a pas falloir la faire. Canox, tu feras le premier. Turizo, tu feras le deuxième. Canox, tu reprendras après chez Turizo sur le troisième. Et Izzy, tu feras le quatrième. Vous voyez à peu près. Les testeurs, n'oubliez pas en P2 d'être. Je sais pas si on va mettre des signes ou pas. Soyez pas forcément sur les signes, soyez si vous êtes sur la gauche, le plus proche du boss possible. Que le marteau puisse toucher les casters et les gars. Un dernier truc, normalement vous avez tous les 8 Cora, enfin tout ce que vous voulez comme indicateur. Mais quand il y a le truc en P2, là, je sais plus comment ça s'appelle, Point of Corruption, vous mettez aucun tick sur vos potes. Je regarderai les logs et si ils défoncent leurs potes, bah, je leur dirais. Après, il y a l'inverse aussi qui se passe, hein, parce que quand toi t'as le truc et t'as un mec qui passe devant toi, derrière toi, s'il meurt, c'est de sa faute. Hein. Ouais, bah, c'est pas à moi d'esquiver le mec qui vient dans ma zone. Je regarderai bien les logs. Ouais, mais nous, s'il y a des gens qui viennent sur nous, on est pour rien. Il y en a énormément l'autre soir. Chacun connaît le placement, que vous l'ayez ou pas, vous savez où vous placez. Celui qui sait pas se placer, il le dit. On lui dit où il doit se placer. Mais par contre, s'il sait pas, il fait pas de la merde.
Me le dis tout de suite. Tu peux répéter ta phrase, Azu, devant, derrière, derrière, devant, j'ai bien aimé ce passage. Non, ça je te le garde pour après. Merci à personne. Personne dit rien, c'est-à-dire tout le monde sait où il doit se placer. Il n'y a pas de problème. Ah oh, putain, ouais, attends, je change un truc. 23. Non. Et celui qui a la frappe en P1, il bouge pas, c'est ça? C'est ça. Ok, les Henry. Je sais plus où c'est. Ouais, on peut lancer? Ouais. Izena Dream, vous êtes en backup sur les kicks. Il y a qui que ce soit parmi Chorizo, Izzy et Canox qui vous dit qu'il peut pas le faire, vous le prenez le suivant. Allez, concentrez-vous. Évitez les pré-poules, s'il vous plaît. Je crois qu'il allait en direction d'un certain Crax. Moi aussi. Un gratteur. J'entends, j'entends. La bague, c'est normal. Les ouais, canucks, c'est pas jeu. Ah, ok, je comprends. Non, j'ai compris ça. C'est bien en fait. Un peu, vas-y, t'inquiète. Comment sont dans les trucs, comment? Faut pas avancer au cac normalement. Ouais. Reste sur Dreams. Dispatch au réseau, s'il vous plaît, Lily. Continue, on continue, on travaille. Les HTT maintenant. Avant, on te zoop pas la bague sur le HTT là. Ah merde, ça me fait approcher trop tôt. User in your channel, time ouais, ouais. Par qu'il y a des cours. On peut le reset ou pas? On a dit wipe. Pareil. Tu peux le reset ou pas? Vas-y, non. Pas de mourir. S'il le fait pas, ça m'étonnerait qu'il puisse. La bague qui a pas été mise au cool, c'est pour que ça pète sur l'AD? Ou c'est juste parce que ça a été oublié? Ça a été oublié. Okay. Ça a pas fait grand chose au final. Ouais, non, non, bah ça, c'est pour ça, ça sert à rien. Sûr. Non, faut pas mettre au cool. Bah, vu que tu stacks deux fois plus de dégâts au cool. Ouais, bah oui, oui, clairement. Les frappes qui vont dans le raid, ceux qui voient que c'est sur votre pote à votre droite ou à votre gauche, vous écartez un petit peu pour éviter de la prendre. Et les marteaux, vous allez au cac. Faut qu'il arrive. Dites-vous qu'une frappe prise, ça vous fait en gros 150k, un peu plus de dégâts. Si vous faites un strafe pour l'éviter, ça vous fait 30-40k maximum. Je pense que le choix est vite fait. Pareil pour celui qui a la frappe pendant le marteau. Normalement, vous êtes sous CD perso, donc vous déplacez, ça vous fait pas très mal vu que vous êtes sous CD perso. Et la frappe ne vous fera pas non plus trop mal vu que vous êtes sous CD perso. Donc vous pouvez vous permettre de la sortir de celui qui a le marteau vu que tous les autres prennent des dégâts avec le marteau. Ou quand vous avez la frappe et qu'il y a le marteau en même temps, vous la sortez de... Ouais. Tu penses vraiment qu'il faut qu'on esquive les frappes des copains en P1? Ouais. Ça fait pas stacker un peu pour rien le l'aura. Stacker l'aura pour rien? Ouais, bah l'aura plus tu bouges, plus elle augmente. Non. C'est sûr. C'est en fonction du temps passé en P1 que l'aura augmente. C'est comme en P2? Oui, c'est comme en P2. Plus ça avance... C'est pas plus tu bouges et plus l'aura elle agrandit. Non, pas du tout, okay, c'est progressif okay. par rapport au temps. Ça marche, bon, bah, je le saurais, c'est même pas. Le seul moment où c'est pas rentable de bouger plutôt que de prendre la frappe, c'est quand si la P1 dure 40 ans et que ouais. bouger ça te fait plus de dégâts qu'une frappe. Genre si ouais, tu fais normal. Un strafe, tu prends 150k, oui, ok, là tu bouges pas, autant okay. pas bouger. Et quand on est au début de la phase comme ça, juste après la première tempête et que la se déplacer ça fait 20k. On aura par contre, ça fait chier.
Après, c'est pareil que la semaine dernière, les casters comme le mec qui a le marteau, il a pas le temps d'aller au cac s'il n'a pas de blink dès le premier tick, comme il est slow. Prenez au moins les deux premiers ticks avec lui, hein. Ceux qui sont pas trop. Ouais. Ah, voilà, c'était plutôt bien fait, les casters sont bienvenus. Juste je sais pas comment il est mort. Ça devait être le seul à avoir pris le dernier tick avec. On a été plusieurs à le prendre. Ah, 371 tirs, il a. Il y a dû avoir lui, Andromède et un autre. Et même, enfin, même pas sûr. Non, il a pris 264 les 8. Ah oui, avec le syndicat d'or que j'avais vu. Non, ah, c'est good. Ouais, il a pris 309 kills. Regardez la bonne mort. Puisqu'il avait pris la frappe juste avant, pense à des persos, 244 de la frappe, plus derrière l'édict. Ouais. Donc ouais. Pourquoi n'étais-tu pas sous ces des persos? De toute façon, dans tous les cas, juste, je rappelle juste les CD persos d'une minute. C'est un sur Nora, surtout. Et sur les marteaux. Y'a pas d'autre moment où c'est utile. Ouais. En particulier si vous allez prendre la frappe, si vous êtes target par la frappe, ou si vous devez bouger quoi, genre, c'est encore plus utile. Bon, y'a la box qui a sauté, j'ai un incident réseau, et je suis à 250 ms. C'est bonne nouvelle. Une bonne connexion quand même. Tout va bien se passer. Tu peux y aller? Bah normalement oui, j'ai une bonne connexion. Hein. Quand ça lag pas, je suis à 30 ms. Quand ça lag pas, je suis pas connexion. Tu peux jouer ou pas? On va voir. Hein. C'est la squad, nos runes, nos flasques, nos food. Plus beau petit quoi. Mettre prêt Adrien, c'est un pool 23, donc j'ai 4 points. Non, ça qui config le DP3 là, y'a pas de raison. Un marteau bientôt. Ouais, c'est des persos, avance dans le cac, pas transfert.
Parfait, car. Attention en remplaçant. N'hésite pas à l'en remettre, s'il vous plaît, Amis. Ah, il faut le virer ce debuff là. HTT. Debuff. De se préparer à aller lentement sur côté gauche. Attends, je vais remplacer le boss. Maintenant, on commence à aller côté gauche. Et vers le boss, hein, le plus du boss possible, les casters. T'es déverso, une minute. Attention, faut trouver le son bientôt. Trente secondes pour la dernière. Les fonds bien à droite. Hein. Dispel Eldry. J'annoncerai comment le groupe on s'en va. On y va lentement, on se replace. Allez, les fontes. Non, Bell dans 5 secondes. Il va y avoir le marteau, c'est la tranquille, le RC. CD, c'est et le bon, REC. Allez, BL, Bell, c'est parti. Attention à se retirer de votre groupe. De droite. Pas mourir. Ça reste sur la flamme. Yep. Faut pas compter. Mais bien vers le boss, les casters. Mais what? On a un marteau dans. Ah merde. Nique ta mère la mastery. Minute de raise. Putain. Mon groupe, on va pouvoir y aller. Maintenant, je vais aller. 15 secondes sur le marteau qu'il faut suicider. Et on est mort. Essayez de faire des restes, faites des restes. Non, mais on peut pas. Non, mais on peut pas. 40 secondes. On est en CD. Pardon. Par contre, là, il y en a, ils viennent vraiment trop sous le boss. Là, même en étant middle, le plus loin du boss, il y en avait à droite, même à gauche, qui venaient sous le boss. Et je les avais dans ma portée. Les casters, là, vous pouvez vous reculer un petit peu. Ils peuvent être collés au plus boss. Hein. Même les cacs, il faut vraiment vous mettre au bord de la hitbox du boss. Hein. Ouais, beaucoup plus près que les autres cacs, donc si les autres cacs y arrivent, je vois pas pourquoi vous avez pas la portée du boss. T'as les logs, Aurek ? Ah ouais, ils sont aussi. Oui. Pété. Pardon. Pété. Bah j'ai géré quoi. Après bon bah le DPS c'est pas là mais. Ouais, surtout c'est pas de faire de fail quoi. C'est jouable ou pas? Sinon je te remplace. Bah c'est à peu près jouable mais si tu veux me remplacer tu peux oui. Ça me permettra pas. Ce qui est bizarre c'est que Nimeli a pas un pet de live tu vois. Et si si elle arrête de jouer et toi tu joues. Hein? Si elle joue pas et toi tu joues ça l'a quand même. Elle est en wifi, donc ça, a priori ça va pas avoir d'impact en fait sur le fait qu'elle va pas qu'elle nous joue. Enfin. Pas que ce soit en wifi ou en Ethernet, elle tombe la bande passante. Hein. Ouais, mais ça changera rien, elle est pas en raid. Donc, a priori, ton câble qui est pourri peut-être. Faites attention à votre placement, juste nous, les casseurs, on était bien à droite, bien à droite, il y en a des buffs, il y en a à gauche, il y en a compris des dégâts du splash et Kai. Donc, vous n'étiez pas bien placé. Ouais,
Là, j'en trouve, il y a juste Freed et Izana qui ont pris 9 tics de top corruption. L'arbre il est juste normal que vous explosiez sur les cacs à une bonne fonte. C'est parce que les cacs ils sont pas bien placés, c'est parce que je t'ai dit. Nous, j'ai déjà l'existence de la range. Les pics dans l'axe max range et les cacs viennent sous le boss et là, ils viennent de la zone. Les cacs, appliquez-vous sur le placement. Ça fait des dégâts un peu inutiles. Cette phase, on a pas besoin. Ouais, c'est pas faux, Niel. Tout le monde peut cocher l'option dire sur les quiz. Bon, c'est normalement, c'est censé être de base, mais. L'option. Pour les fantômes. C'est où qu'on coche ça? C'est dans. La mine de base? Non, tu vois. Bah, si, normalement, c'est de base, mais il y a pas de genre. Message. Bon, c'est un peu message. Je suis un peu aussi. Où est-ce qu'on fait ça? Je cherche. Tu vas en big wig dans les options, tu vas sur ton boss, tu vas sur l'habilité et après tu push dire. Ouais, normalement ça y est. Là sur la frappe annihilante, c'est sur par les fontaines. On aurait pu cocher dedans. Ouais, normalement c'est déjà coché. Hein. Lightning Strike. Les options, pareil. On va être noir. Ah, bah, c'est proche là. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Drake? Pas beaucoup. Oh putain, ouais, c'est pas grave. Tu penses au plus. Oui. On va voir comment ça évolue. Tu vois que t'es bien passé? Ouais. Bien passé? Et pour. Enfin. Oui, je suis bien placé, pourquoi? Moi, tu veux que je sois mal placé? Ok. Ok, on peut dispel Nora s'il vous plaît. Harry, soit dispel, vas-y vite. Et le HTT. Dispel en remettre, please. On attend la prochaine frappe, on va se placer. La frappe. Et go. Ok, on se passe. Pas trop vite. Non. On se passe bien. Toss.
va y avoir un marteau, on s'est dit d'une minute. Vas-y. Une minute tout le monde. Et les fonds bien à droite, et les cas qu'on fait attention à leur. Quoi dispel drills? Avance doucement, on peut replacer, on a le temps. Dispel drills, please. Et on call la BL, c'est un petit moment d'avant pour tourner le temps. Mon groupe, on bouge. On va laisser des. BL dans 5 secondes. Il va y avoir un marteau, on s'est dit d'une minute maintenant, ils viennent de revenir. Sacré rec. Et l'affranchi, dispel c'est cool. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ah si c'est rentré. Ouais si. Faut pas faire ça, Karl. Et essayez pas de trick dans ce marteau là, ça sert ouais, à rien. Plein. Ouais genre on a jamais dit qu'il fallait trick hein. C'est pas cela hein. Bon Rezari. Ouais y'en a un. Bah, mais par contre attends, non, ça sert à rien, c'est moi qui l'ai BRS et elle est dans les. Elle est dans les marteaux, dans les fonds. Je sais pas si on voit, ils vont genre on coupe, hein. Ça va plus vite. Au lieu d'attendre. Ouais, go wait. Faites des raids à ce. Ouais, bah y'a Harry qui a un raid. Ils ont un petit pire d'âme. Oh. Kara, il s'est passé quoi? Ben, j'ai eu un leg mental. Si je peux dire ça comme ça. D'accord, je t'ai dit, faut que je m'en aille. D'accord. Vous avez vu, vous savez, d'une minute, ils reviennent exactement pour le marteau. Hein. Si vous l'avez claqué exactement au début, ils reviennent exactement au début, tout le temps comme ça. Historiquement, on doit pas le voir maintenant, ça doit faire genre 40 pulls que j'ai rendu compte, vu qu'on a demandé depuis environ 40 pulls de le faire. Mais oui. Oui, et voilà. Si vous avez été res, c'est peut-être pour que vous puissiez res les autres, les gens. Donc toi, tu mérites pas. Bah, y'a pas de soucis. Moi, je fais des raids. Y'a plus de raids. Je risque pas de se reproduire cette erreur. C'est Azu qui t'a raid, c'est lui qui t'a raid. Non, non, j'y reste tout le monde presque. Ouais, ah, okay. Moi j'ai un reste de Sinol. C'est pas important. C'est pas ça le problème. Oh, ma boucle, elle me casse les couilles. User joined your channel. C'est bon, Canox, Noz va te remplacer. Merci beaucoup, bonne nuit. Bonne nuit. User disconnected from your channel. Canox sentait pas bien et. Donc Noz le remplace. C'est son DPS qui sentait pas bien. Ouais, il me disait qu'il avait du mal à jouer, que ça allait pas. Parce que j'avais FK une milite Eldry quand je reviens. Du coup, vous gardez juste vous en heal et nos en DPS. Oui. Ouais. Okay. En plus, moine sur ce fight. Super. Prends le Xou que le mec il avait déjà changé de spé direct. Bah ouais, le mec, quoi, tu sais, il a même pas il a juste entendu une hausse pif. Moi j'ai entendu une hausse. Donc Anox il est là. Ouais. Bon bah je te kiffe. Sur ce pool, juste, je sais pas qu'on a 30 secondes, c'était mieux les splash, les fonds de corruption, sauf il y a juste Izena qu'on a pris 9. Sinon les autres en ont pris 0 donc. Dans l'ensemble, il y avait moins de. Il y avait moins de problèmes. Cooldown progress.
Un problème de placement des tanks ou un problème de placement des cacs Vous pouvez cliquer s'il vous plaît. Merci. C'est tous les combien de temps ton exec? Tant qu'il a de la rage, il peut exec. Ça te donne un ordre d'idée. Essaye de faire au mieux. Tant que tu prends pas trop de dégâts. Après, voilà, moi, les dégâts de jeu dont je parle, c'est des qui sont négligeables si c'est sur une seule personne. Mais s'il y a 5 cas qui sont dans l'icebox, c'est. Genre là, Zena, il a plus que 450k sur le pool. Bien, c'est pas grand chose, mais faut qu'il y ait... enfin, faut qu'il y en ait qu'un, faut pas qu'il y en ait 10. Allez, deux secondes. Hein. Non, c'est avec Strike. Ouais, pour les mêler du coup avant qu'il se passe. Ah. Bah. Aurèque va t'expliquer. Quoi? Ouais, alors attends, c'est lui qui va t'expliquer. Ok, excuse-moi, je suis en train de faire un recours. Hein. Juste, ah. Tu mets ton clone sur les AD, tu TPS comme un gros. Mais vous faites quoi? Vous faites en avant, en arrière dans les 4 hein? Ça a changé. Bah, pendant la tempête. Faut leur expliquer. Enfin, moi je suis pas quand même. En gros, faut que tu sois au cac, mais la range est pourrie, du coup, faut que tu te démerdes pour pas être trop à portée des autres. En principe, il me semble que tu as un partenaire avec qui tu es. Du coup, vous êtes l'un sur l'autre et vous, okay, vous bougez tous les deux sur la gauche ou sur la droite pour les voids en fait. Plutôt que galérer pendant 10 minutes à savoir quoi machin. Y'a pas un cac qui vous peut expliquer là? Voilà, est-ce qu'un cac? Enfin, je sais pas, vous avez un micro non? Je sais pas qui, y'en a avec vous. Au lieu de rigoler sur comment on écrit une inbox, je pense, juste expliquer ça et tout. Bah, je sais pas, tu veux savoir quoi? Bah, y'a Nose qui a jamais fait le boss en DPS, qui veut savoir. Bah, tu choisis un côté, je sais pas, le frig il est derrière un peu, je crois. Ouais, tu viens avec moi sur le côté gauche du boss, là. Quoi? Non, je parle à Nose. Et pas toi, Frig. Okay. Ouais, et en fait, on. Bonjour, Frig. Ce que tu fais, c'est que pendant les tempêtes, tu regardes la zone sous tes pieds, t'attends deux slash, enfin deux ticks. Ouais, mais les casters font la même chose. Et là, tu te décales, mais à droite, tu fais un strafe. Tu veux savoir. Tu fais un strafe à droite, et tu fais que ça. Voilà, une fois que c'est. Bon, je te suis. Tu reviens à gauche, quoi. Je te suis quand même. Tu fais droite et gauche, en gros, tu fais comme quand t'es. Ouais, tu fais un strafe droite, un strafe gauche. Ok, bah, go test. Et sinon, vu que t'es, tu joues moine et c'est débile, tu prends diffuseur de la magie, si tu te fails, tu claques la diffuse. Voilà. Ouais, mais il va se faire bump, non? Là, tu veux pas aller ailleurs? J'aime pas trop avoir quelqu'un dans mon dos. Pas grand chose à savoir en cac, en fait, c'est. Et les annihilations, bah tu fais gaffe, tu strafes. Si t'es dedans, c'est pas tout. Vas-y, go pull 23 en mode. Attends, j'entends faire les talents. Non, faut que tu recules, pas que t'ailles à droite. C'est ce que Dungor m'a dit. Meuf cac, écoute. Reculez et vous avancez après. Ah, c'est ça. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire du coup. Attends, je fais un reload. Mais non, on peut faire un strafe, c'est pas. Après, pour l'instant, ils ont pas pris de dégâts. Enfin... Mais non, mais on fait des strafes, ça marche pas. Si, moi je te garantis qu'ils prennent des dégâts. Hein. Dreams, Zena, il y a deux. Enfin, surtout Dreams. Bah, sur les logs. Enfin, sur les logs, ils ont pas pris en tout. Bah, ils prennent quand même plus que les autres, hein, je t'assure. Non, mais ça c'est pendant les tempêtes. Mais oui, ça c'est parce qu'ils sont paquets. Ouais, ils sont paquets avec un mate, donc ils prennent plus cher que nous. Ouais. On n'est pas paquets. Mais c'est minime les dégâts de ça. Ils prennent pas de dégâts des voids. Ils prennent un peu de dégâts sur Psycho. De toute façon. On pourrait éventuellement plus bientôt. Attends, faut trouver quelqu'un pour remplacer Canox sur la rota. Ça me fait chier. Oui, ouais, on peut le faire, mais le problème c'est que si là il décale un peu, bah, on va se faire déglinguer par oui, c'est pour ça. Mais les mages ils ont un kit. De toute façon, à partir du moment où il y a l'AD, si le premier AD est mort, le deuxième ne bouge pas. C'est 24 secondes. 24 ouais. Bah, normalement, ouais, il bouge pas. Mais il fait. Et il y avait le deuxième, jamais il bouge. Il y avait pas Canox dans la rota kick. Bah, si, c'est pour ça. Donc, c'est simple, on va faire Dreams kick en 1, Izena en 2. Eldri, t'es en backup sur le premier kick,
Chorizo t'es en backup sur le deuxième kick, Easy t'es en backup sur le troisième kick, et Kiara t'es en backup sur le quatrième kick. J'ai rien compris. Je suis dans la rota ou pas? Oui. En gros, vous êtes deux par kick. En gros, il y a Dreams, il va faire le premier. Toi, tu seras en backup en même temps, tu le feras aussi. Ensuite, le deuxième sera Chorizo et Izena qui le feront à deux. Le troisième, ça sera Easy et Dreams qui le feront à deux. Et le quatrième, ça sera Kiara et Izena qui le feront à deux. Quoi, Lad ou boss? Mais Lad. Lad. C'est le heal de Lad en fait. Harbinger Mending, c'est ça. C'est Mad, il fait un heal à un moment donné, faut le kick. C'est des couilles à faire ça. Hein. On peut. Oui. Pas normalement. Comment ça qu'on casse les couilles? Tu mais prends un focal d'équipe pop, t'as juste appuyé sur une touche quand tu le casses. C'est annoncé par Big Wigs, tu sais qu'il y a Harbinger Mending dans 2 secondes, tu targetes le mob, t'attends le truc, tu le kicks et tu reprends le DPS. Tu fais une macro slash tar focus et tu mets ton kick dedans. Ça tu switches même pas de target. Oh. Ouais. Si on peut couler à zéro aussi, ça. Bon, une fois. En fait, non. Nous, fais gaffe, tu bouges. Avoir un marteau, attention. Allez, on prend les premiers types, ça court. Faut que tu fasses un reste. Ouais, sur Aldry, on essaie de s'entraîner un peu chez nous. Attends. On commence déjà à aller se placer. Il y aura encore deux frappes. Non, une. Ouais, non. Ouais. On est en retard. Hein. Ouais, bah, y a... Il va y avoir une fontaine, enfin non, ouais, poser des persos, une minute. Non. Oh papa, s'il vous plaît. Et les fontes. Ça nous serait pour moi le groupe, après on s'en va. La belle, c'est quand? 20 secondes. Il y aura les 3 minutes de revenu. Merci. On bump. Allez, on en avance lentement. Bon, pourquoi? Sinon, vous allez mourir. Sacré rec. 7 secondes d'abord. On se recule un peu. Ah, c'est des persos. Une minute. Une tranquille. Ça fait le bisou. Et mon groupe, on se décale. J'ai fait le premier kick. Mon groupe décale, le prochain, c'est Izena et Chorizo, je rappelle. Izena, Chorizo sur le prochain kick. Le prochain, Easy Dreams. Elle est fonte. Rien, t'as pas bien bougé. Bête.
Non, c'est pareil, on va passer. Le kick. Défonce. Non, là c'est normal, on a fait de la pédale dure pour longtemps. Le marteau ouais, qui arrive, c'est un suicide, suicide. Allez. Bon. Bien, vas-y. Ok. Là, sur les autres, t'es fait le Wikora et cours, forêt, secours. Le marteau suicide, j'ai pas annoncé parce que. On était morts. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'as pas grave, sur les autres, c'est fini. J'ai pas vu sur qui il était le marteau parce que j'ai vu quelqu'un se barrer et du coup. Ouais, c'est moi je l'ai pris. C'est sur ah lui. Ouais. Le mec, le marteau, bip. Je me casse aussi. Non, mais je suis barré après, vu qu'il bougeait pas, je suis vas-y, je me barre. Le mec en gros coup de flip, c'est. Ah non. C'est ça quoi. Ouais, Easy Eldry, c'est votre faute. Hein. Sur ces phases là, c'est à vous de survivre. Hein. On peut pas. C'est du quasi OS, si vous prenez frappe plus marteau, c'est... on peut pas vous heal, c'est pas. Vous prenez la frappe, vous voyez, vous allez prendre la frappe et qu'il y a le marteau, tu claques une déterre, tu claques une envie, tu claques un IB. Non, j'ai pas pris le marteau et la frappe, j'ai pris le marteau, j'ai été mot placé. Et t'as pris une frappe. Bah oui, mais je savais pas qu'elle était sur moi. Oui, donc tu t'es dit, je suis descendu à 10% avec le marteau, je me suis replacé, j'ai pris encore des dégâts en remplaçant. Et donc. J'ai pris de dégâts, j'ai un transfert, je te rappelle. Et j'ai pris et... 250k ou plus de 250k sur la frappe. Bah voilà. Ouais, je parce que les pas. Frappes, on a bien dit qu'il fallait s'en écarter quand. Écoute, si je peux l'éviter, j'aurais pu. J'ai pas pu l'éviter là. Bah, tu t'es pas seul en fait. Sur cette frappe là, vous avez été genre 5 à la prendre. Et c'est à dire qu'il y a une personne target, forcément vous pouvez l'éviter. Avant qu'on recule, au cac, on meurt sur des erreurs qui deviennent un petit peu trop récurrentes. Donc essayez de vous placer mieux. Il y a l'infiat qui explose sur les cac, mais c'est pas forcément sa faute. Il peut pas tanker le lad forcément d'une autre manière. Du coup, arrêter de mourir, je crois que ça serait. Là, honnêtement, avec Asion, on faisait qu'un donc. Non, bah là, c'est. Non, enfin, c'est tout après, je... c'est avec Asion, on zone pas mal la gueule donc. C'est pas ta faute parce que c'est tout, les... enfin, c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent donc c'est forcément que c'est eux qui sont mal placés vu qu'il y a des 4 qui prennent pas de dégâts. Donc, placez-vous. Avec Asion, on faisait qu'un, c'est mignon. Zilla, tu veux juste dire les dégâts comme ça. Alors, Grims tu prends 350k, Noos 350, Frigg 320 et c'est. Bah, après les je... autres, pas de dégâts. Ouais, après, mais... ça dépend, tu prends des dégâts à des moments qui sont. On peut lancer un pouce, si vous voulez. Dangereux. Tu peux pas la mettre comme l'autre porte quoi. Un pool. Après, Grims c'est oui, c'est un pool là. Les pools d'avant, prenez. Ouais, mais là, je kick, je suis à Massive Bugs de la dent, je peux pas faire un pouce. Ouais, t'as mis des kicks aussi. Et oubliez pas les kicks, y'en a un qui est passé, je crois. Si l'enfant l'avait pas fait, c'était mort. Le premier, je suis à limite Dickbox, hein, je peux pas. Le premier, c'est Izena et Dream. Dream, Zedri, pardon. Place le bassin. Allez, c'est des télé-persos, ensuite il y aura. Je peux pas. Dernier tout, mec. On peut se replacer les casters. Encore oui, attendez. Et après cette frappe, on se passe. Vous placez attention, ceux qui sont d'APV là.
booster, on se place correctement, on va avoir un marteau qui va arriver. Nose, va plus dans le pack, s'il te plaît, sur l'infirme. Et c'est des persos tout le monde. Les fontaines qui arrivent. Allez, maintenant les fontaines. Allez, on se place. Faites attention à votre placement, les gars, c'est très important. Il y a des fontaines qui vont arriver. C'est une fontaine, Zelot, ou pas? Non. Non. Doucement, marchez doucement, marchez doucement. Voilà. On va avoir un marteau dans 10 secondes, on fait attention. On va être à laisser des persos d'une minute. Dispel crack, s'il vous plaît. Fontaine. Putain, j'arrive pas à le placer. Ça va être... Ça va être bientôt les persos. Mon groupe, on peut partir des fontaines de corruption. C'est des persos, hein. Reste sur Dreams. Mais Dreams, ta faute. Nous, c'est leur NGK. On va avoir des fonces. Sacré au Rex, s'il te plaît. Bien, un groupe à 6 secondes, on va pouvoir se décaler un peu. Allez, reste 4%. Allez, on tient un compte. Allez, suicide, vite. Allez. Ouais, c'est pas mal. Ok. Sous le boss, tous sous le boss. Doucement, doucement. Vous allez doucement sous le boss. On se met sur le tank carré. Ok. Allez, sur le carré. En 3. Merde, putain, enfin, je demande à peine dessus. On bouge. On bouge. Terra bouge plus. Ah, mais. On a plus le. Ah, c'est pas grave, on a toujours un tank. On a toujours un tank. On va bouger dans 3, 2. Il y a un B dans 5. Non, non, non. Et là, vous bougez dans 3, 2, 1. Maintenant. Vous avez un poil trop bougé cette zone. Enfin. On dirait. Non, là c'est bien, c'est dans le mur. Ouais. Bah non, c'est bon là. C'est bon pour que le mur. Mais le SLT que vous pourrez. C'est des persos. Dispel Crax. Dispel la ballonne. Après vous rebougez. Ah bon là il manquait de heal. Hein. Puis on était moins. On était beaucoup moins dans le SLT. Je vais juste me. Mettre un timer spécial pour le marteau suicide comme il est pas différent des autres. Là il a pas il a été bien fait hein. Ouais je sais non mais je l'ai pas cool. Là, ça a ok été hein, il est passé. C'est lequel de kit qui a été raté? Premier. Ouais vous oubliez pas les gars hein, s'il vous plaît hein. J'ai assigné deux personnes par kick. Ah même si Adrim qui est mort, il y a Adriki qui est avec lui donc il y a pas de j'ai en fait je me suis avancé trop, j'ai voulu kick et on l'aide plus. Non mais pourquoi Eldry il a pas kick? Parce qu'Ali était mort. Ok vous êtes tous morts. Et donc j'ai regardé. Je suppose que Dreams et Eldry vous êtes morts parce que vous êtes restés dans les fonds of corruption sans bébé. Oui parce que j'ai vas-y, bah, regarde. Je suis mal regarde passé bien. Et je suis mort. Non vas-y, regarde et tu regarde, me dis que regarde. C'est à cause de ça que je suis mort. Non y a pas eu de dégâts de fonds of corruption sur Eldry. Ah rien de... Enfin pas de qui n'est pas censé prendre. Moi je suis mort regarde, regarde. De fonds of corruption c'est... Toi t'en as pris que un seul truc en fait. 190k du marteau, donc je pense que t'étais pas paqué avec tout le monde. Il y a eu un marteau placé bizarrement aussi. Ouais non mais je pense que c'était pas toi. Celui qui a eu le marteau, le troisième s'est placé mal parce que en gros il s'est mis un peu entre la gauche et la droite, du coup il a pas tué tout le monde, il a même pas tué le cache passe. C'est ça, mais en fait Eldry en gros faut aller prendre le dernier kick. Faut pas aller au milieu en fait. Et suite, il l'a eu, c'est mal placé. Ok. En gros, quand tu l'as, tu avances vers le catch, ça touchera forcément les casters de gauche. Comme nous, on est vers le boss. Et tu toucheras aussi les catch. Le reset prendra moins cher. Pourquoi? Parce que j'ai une claquée full CD plus la balle. Bah, vas-y, pull, ça. Hein. De toute façon, pour la balle, il faudra. Non, faudra quand même attendre pour la balle, de toute façon. Aïe.
peux jouer au Dazzling Rod, Eldrin, toi. Quoi? Vas-y, sors ton Dazzling Rod. Sinon, les dégâts sur les calques, c'était mieux. Je sais pas si c'est parce que vous étiez mieux placé ou si c'est parce que les tanks ils ont tanké plus loin, mais. Et il y a moins une dégâts. Continue. Allez, sors ton bâton étincelant, attends. Non, non, j'ai des trucs à faire. Ouais, allez. C'est bon, du rien. Tu peux me donner une assist, s'il te plaît, ouais. Ou je sais pas qui qu'elle est. Ouais. Juste que je mette un signe quelque part. C'est un truc. Oh là là. Par contre, faut que tu t'enlèves de là, Zilote. Oui, t'inquiète. Mais tu me donnes une assist, après je m'enlève. Par contre, là où t'es, c'est là où moi je suis, hein, normalement. Non, non. Moi je suis là, je prends le bump oui, et je bouge voilà. Pas. Du coup, moi, je suis là. Toi, vu que tu t'avances, bah moi tu rentres dans ma zone. Et après, ah, c'est moi qui dois bouger. Vas-y, vas-y, je vais là. Bon, en fait, juste vite fait, pour bien expliquer comme le marteau était mal placé. En gros, nous, le castor, on est là. À peu près là où il y a le boss. Les points d'occupation, ils sont là. Et du coup, si vous avez un marteau, le troisième marteau, il va se mettre là. Sur le boss. Enfin, je mets un signe, mais c'est sur le boss. Comme ça, il touche tout le monde. Et pas juste les castors. Cette porte, on peut pas la mettre plus proche. Malgré que tu es qu'il ait la fontaine ou pas, la personne se met quand même. Non, y a des variantes alors. Non, non, ils ont n'importe quoi, vous restez juste sur votre groupe, bien au CAC. Le but ah, mais qu'on... tu nous as dit d'aller au CAC. Bah oui, bah au CAC, c'est ce qu'on fait toujours. Oui, mais c'est pour ça CAC. Qu'on met les casters au CAC, mais il y a des casters qui sont beaucoup trop loin. Et bah les casters vont pas être trop loin, le mec qui a le marteau ne bouge pas, il va pas se mettre entre les deux zones, sinon il va prendre les. S'il a pas le fonte, il va prendre les tics des fontes. Mais il reste sur sa zone, bien collé au boss, regarde. Dans ce cas-là, que les casters ne disent pas que ça sert à rien d'être sous le boss. Ah, mais les casters ils ont été sous le boss depuis le début, hein. C'est... Ouais, non, mais ouais, on est d'accord. Ouais, d'accord. Pourquoi il y a une porte qui a plus de portes que l'autre ? Tu vois ? Parce qu'ils servent d'aller-retour en fait. Ouais, mais. Normalement, c'est pire, vous replacer en P3, votre taf c'est de replacer des portes ou. Ouais, je sais, mais normalement là c'est timé pour qu'on n'ait pas à le faire. Ouais. Bref, on le fera au trajet, au pire, mais je suis quasiment sûr que celle-là elle est. Elle est bonne. Enfin... Elle est top. Ouais, ok. Après, sur Velary, il fait. Non, c'était bien. Mais bien sûr, c'est fou quoi, il fait 34 non, plus que Canox. Nous, il est très bien en DPS. Ouais, bah, moi, il est mort, DPS, il est mort, tout, il est à 80 en tout cas. Ouais, non, mais je sais, mais. Enfin. Il doit pas avoir le stuff ulti. Il est un peu bas sur le boss, genre il clive bien les âmes, mais. 13 millions sur le boss, genre les autres ils font même les Warhammer qui sont pas en exact, ils font 18 millions. Après, je sais pas si du coup tu dois mettre tes clones, je suppose, mais je sais pas si c'est normal. Ouais, les clones, je crois bien, de ce que j'ai pu voir. Ouais, ça devait y ressembler. En même temps, tu peux en mettre plus. Tu peux en mettre deux. Enfin, ouais, enfin deux sur la même cible. C'est vrai, ouais. Je sais pas si ils vont bien. User was joined your channel. C'est parti. Du coup, tu veux que je me bouge à Adrien là ? Tu veux que je me mette où là ? Bah, où tu veux, sauf que moi je bouge pas quand je suis bump. Tu triches. C'est le jeu là. Tu bouges pas quand t'es bump. T'as pas pré pool, c'est le dent. Ouais, c'est ce que j'allais dire pour une fois. Vous êtes sérieux à dispel pour rien là ? J'ai un lion qui est parti dans le vent là. T'es parti dans le mauvais yeux. Ah, reste sur Nas, s'il vous plaît. On va avoir un marteau. Prenez les premiers hits avec Izzy à gauche, s'il vous plaît. Ça. Bon, il va mourir. Voilà.
On peut le reset là tout de suite ou ouais, je peux. Ouais, pour reset. On a plus de res. Attendez, encore une autre frappe. Encore même deux. Oui. De toute façon, il y a Azu qui est parti pour me tuer, je vous le dis. Azu est parti où? Il est parti pour me tuer. Hein. Après la prochaine frappe, on va se placer. Commence à vous placer, attention. Azu, tu me le reprends le boss? Il va y avoir un marteau. Mais t'as pas les wipes en fait? Il va y avoir un marteau. Bah, je crois que Boric, il a le chapeau. Ouais, on continue, on continue. Bah non, c'est pas des wipes pour rien. Et si on pouvait reset, on reset, mais. Ah, bah, vous m'avez rien dit, moi, j'ai entendu. Dis, t'es sur quel kick? Izzy, il est sur le deuxième. Ah, le troisième. Bon, je prends sa place. Merci. Font of Eruption. Font of Eruption, 5. La bite! C'est vous. Une dispel. Attention. Dispel dans 10 secondes. Là, tranquillement. Marteau dans 5 secondes. Laissez les persos d'une minute sont up. Laquelle est se. Mais tu kicks le premier, je peux pas partir. Moi. BL maintenant. Des persos, BL. Dispel crack. Mon tonne t'es pas passé à yeux. Sur la toi, Frick, tu dois faire un truc pas bien. On a quelqu'un qui est ouais, normal. Ouais, je sais pas qui. Mais effectivement, c'est ce qui nous fait mal. Alors, commencez à regarder la guide démo. Ponte. Il y a deux vieilles démo, une de chaque côté. Et le marteau, c'est dans 12 secondes. Il y a un mec qui est en train de faire une frontale, je vais l'insulter. 12 secondes. 5 secondes, attention. Ciblez déjà la gate avec votre souris. Et tout le monde sous le boss. Attention, attention, faut suicide là. Andromède. Ok, yep. Nice, on se place. Pensu pour le carré. Yandra. Le carré. Et on bouge dans 2, 1, on bouge. On bouge. Doucement, doucement, doucement. Replacez-vous sur le carré directement et on bouge dans 3, 2, 1, on bouge maintenant. Elle est pas aussi loin que là. On a encore le temps d'en faire une, c'est bon. On bouge dans 3, 2, 1, 2 secondes. On bouge maintenant. Là vous mettez contre le mur. On reste sur l'infia. On a un reste sur l'infia. Enfin. C'est des persos si vous avez, normalement vous avez. Prochain ça se suicide. Attends, maintenant c'est des persos. Le marteau là. Prochain marteau dans 15 secondes. On se met sur le carré s'il vous plaît. Ouais, que ça crie l'infia. On bouge maintenant. On continue, Osef, pour voir la suite. Je suis sur l'AD, on bouge dans 1. Maintenant. Et voilà, c'est ça la 3. Là, je suicide, comme ça. Vous avez vu la gate, elle est pile bien alors. Vous trouvez le mec qui pète dans le raid avec les Font of Corruption sur les logs. C'est. Ah, non mais ça a été dit. C'est moi. C'est ouais, moi. C'était tu réponds. Je suis désolé, j'ai pas compris quoi. Ok. Ah, fais gaffe. Bon, vous avez vu la P3, juste c'est des timers de déplacement, tout le monde en même temps. Et c'est des persos, c'est sur quel Gavel du coup Ouais, sur le deuxième. Sur le deuxième. Premier normalement, SLT plus barrière, ça va passer. Ok, ça marche. Par contre, c'est pourquoi on perd l'infia tout le temps là? Parce que ça va poser problème. Parce que je joue pas le tank. Parce bon que ça. là, on avait une bonne, enfin, on avait une bonne exécution de P3 sur le début et on perd le tank. Du coup, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des CD de dispo? Est-ce qu'il reste des choses? Est-ce qu'il reste des vigies? Est-ce qu'il reste Je suis conscient que ça peut être plus dur pour un pal tank que l'infia, mais il faut quand même que ça passe. Mais j'ai pas dit ça.
Non mais, enfin, juste, est-ce qu'il reste des trucs à ce moment-là à claquer sur le temps? Parce que le problème, c'est que si je claque des trucs maintenant, Zilot, on aura plus rien pour la fin, quoi. Oui, mais pas à toi, mais, enfin, on a plein de séries, en fait. À la fin, à jouer sur le temps, quoi. Non, mais de toute façon, la fin, on l'a pas, on le meurt, déjà. Et à partir du moment où le LED est mort, on peut sur le temps, pas grave. Juste à ce moment-là, au moment où juste avant l'ad pop et pendant l'ad, il faut décider sur le temps et après on peut le solo temps. Bref, juste est-ce qu'à ce moment-là, il y a des trucs de dispo ou pas. Faut que je suis instant sur l'ad aussi. Moi ouais, j'avais pas, de toute façon, c'est pas ouf, parce que vous, ouais, sinon c'est 99% dégâts au moins. Donc si vous voulez faire non, rester, faire une, un truc. Il y a une petite fenêtre où le boss n'est pas immune. Mais, ah ouais, mais celle-là on s'en fout, c'est voilà, switch instant. En fait. C'est switch l'ad et défoncer l'ad. Par contre. Continue à faire la même route à CD et au moment où on arrive en P3, s'il y a des CD de dispo pas prévu, n'hésitez pas à les mettre à ce moment-là. Vous voyez que ça fait mal sur le tank, généralement quand on s'avance vers le mur. Bon, ah, c'est nickel les codes de déplacement, j'ai l'appui. Ouais. C'est pas dur, je comprends. La source pool, la fin là, j'ai rien pu faire moi, Inwheel, parce que. Il y avait un mec qui me spammait sur Skype un d'appel toutes les 1 seconde et je devais refuser l'appel toutes les 1 seconde donc impossible de jouer quoi, genre c'était. Par contre Skype, juste un truc sur les logs, ça par contre c'est pas normal, les. Bon, il y a quand même des petits soucis, les casters de gauche, il y a eu un edit sur Easy qui a été pris par pas grand monde je pense, que Easy est mort. Après, comment Easy peut mourir sachant qu'il a 2 DTR, qu'il a les dicks, il avance sous DTR, il prend 0 dégâts, au moins les 2 premiers tirs. Je suis pas censé le faire en fait. Bah si, c'est la consigne, c'est des persos sur les dicks. Je sais pas, toutes les semaines on a fait ça passer, tout le monde venait. Non, mais là, pourquoi ça passe maintenant, quoi, le BQ, non. Ouais, c'est quoi le spell qui fait la zone orange sous le boss? C'est Gavel. Rempart du tyran. Rempart du tyran, le. Le spell jaune, le spell rouge par terre là, la fin. Ouais, le nom c'est quoi en anglais? Gavel of the Tyrant. Tyrant Rampart. Ah, la zone rouge au sol ou le. Non, c'est pas la même chose. Je parle du martelet de la Despot là. Le martelet de la Despot c'est le bump. Et Gavel of the Tyrant. Je te parle du truc qui fait pop sous tes pieds là qu'il faut qu'on se déplace. Ça c'est Bulwark. Voilà, truc de Bulwark. Bulwark of the Tyrant. Voilà. Je t'ai mis une boîte à lettres d'ailleurs. Mais... Oui, merci. Les cacs, c'est juste. Les cacs, c'est beaucoup mieux. Vous clivez plus les uns sur les autres, à part les deux tanks qui se clivent dessus tout le temps, mais c'est moins grave. Donc, Dreams et tout, vous prenez plus de dégâts. Frick, pareil, t'en prends plus. Ouais, mais du coup, moi, je prends plus de dégâts, mais voilà. Enfin, je peux pas exec et tout. Bah après, l'ad meurt. Osef. Ouais, bien sûr. Mais pour les kickers, heureusement qu'il y a les backups parce que Krax, Frick là, ils ont... Voilà. J'étais pas à portée de kick. Hein. Juste, Easy, certes, et voilà, il est pas censé utiliser ces deux DTR sur le premier marteau qui est facilement pas n'importe quoi. Bah non, mais il peut en utiliser une, en réutiliser une sur la deuxième, en réutiliser une sur la troisième. Ah, mais j'ai plus rien pour la phase vitale après. Hein. La phase vitale quand on est paqué, j'ai plus rien, ça revient pas. T'as besoin d'un sur la phase vitale de toute façon. Oui, mais vrai il y a des caspers qui n'ont pas bougé, le marteau était à 3 mètres. Non, mais d'accord, mais le marteau de la P1, les gars, c'est le truc le plus dangereux en P1 parce qu'il y a une frappe en même temps. Vous devez vous déplacer, il y a des dégâts du déplacement et tout le monde n'est pas baqué donc les dégâts sont pas forcément très partagés. Ouais, tous ceux qui sont dans le marteau doivent être sous CD. Mais tout le monde n'a pas des DTR et ça aurait été Jalen 2, il serait mort même sous CD perso. Parce que la DTR c'est juste trop fort. Mais ça aurait été moi qui l'aurais eu, j'aurais eu peur, je serais mort. Bah non, ça aurait été toi, t'aurais blink, tout le monde aurait pris. Ça aurait été un démo, voilà. Il a 30% passif, il serait pas mort. Ça aurait été un mage, il aurait blink, il aurait pris. Ça aurait été Nora, il aurait blink. D'accord. Non mais d'accord, mais juste les gens bougeaient quoi. Enfin, quand on vous annonce de bouger, c'est tout. Enfin, peu importe les CD. Y a pas de désavantage d'une classe par rapport. Y a que si c'est un chaman, genre Sixou là, si bien reconnaître. Si tu commences à dire ça, les gens bougeront plus parce qu'ils vont se dire tout le monde a un CD, je m'en bats les couilles, j'ai des PS. Bouger, quand vous bougez, c'est go tuer maintenant. Allez, en tout cas, c'était pas mal comme travail. Ouais, bah oui. Non. Et enlève-toi de mon cul, toi. Pardon, mais je suis habitué avec là, tous les poules, j'étais là, j'ai pas l'habitude. Ma gueule. Je veux juste enchaîner travail, quoi. Après, c'est bien aussi de savoir ce qu'il y a amélioré sur les poules. Je teste un truc avec la bague mais il la claquerait pas. Nice.
On va attendre la bague. Ah non, la bague n'a pas été claquée, c'est très bien. Reset, tu fais quoi, Azu? Je l'avais taunt. C'est t'as qu'à mieux taunt. Eh merde, putain, du coup je suis derrière. Je Ah mec, me dis pas t'as qu'à mieux taunt, je les taunt, tu vois. Non, mais ouais, mec, taunt pas sur nous par contre. Top, bref. S'il y a des resets, on les fait nous-mêmes, ouais. Bah oui, mais j'étais déjà dehors, je les taunt, ils venaient vers moi. Faut vous éviter de traverser toute la salle. T'as un truc qui est-ce qui fait l'anneau DPS à la place de Canals? Canals n'est pas là. Un cac. Mais qui, enfin, juste qui le fait. Pas, vous mettez d'accord, un qui veut s'en occuper et qui le fera bien. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Le PlayStation, c'est bien. Allez, ça. Quelqu'un Steam ce soir par hasard? Comment? Est-ce que quelqu'un Steam? Steam, Steam, pas stream. Oui, j'ai Steam, oui. C'était bien belge. C'est Nafia qui Donc, oui, non, peut-être. Le ring, DPS, on s'en fout. De quoi tu parles, le ring? Ouais, je crois que c'est pas compliqué, c'est un bind en plus, je suis le macro tag du CD. Oui, d'accord, mais il faut juste que quelqu'un le fasse. Je tiens à vous signaler quand même que je suis en discussion avec un MJ depuis tout à l'heure, donc il est en train de regarder tous nos pools et il rigole bien. Ah bon? Comment ça, il regarde nos pools? Bah en gros, là, il a vu le fake pool et voilà. J'ai dit ouais, il me dit bonne chance, j'ai dit merci mais fake cool. Il me dit oui, j'ai cru voir ça. Du coup on s'en fout. Frig, Izena, Dreams, ou Nose, pas Nose. Un de vous trois là vous vous arrangez, il y en a un qui fait la bague. Ah bon, je l'ai fait déjà, elle est dans ma macro. Bah très bien. Frig, oui. C'est moi ou ta poule au jugement? Bah je la mets au pool et quand tu mets la BL, merci. Une fois que tu bosses pool. Ouais, de toute façon, je l'annonce la BL. Et ça se précasse pas le jument, donc dès que le boss est cool, le jument. Ouais, je sais. Allez, go, appel. Bon, ouais, tout le monde est là, normalement. La main pour, tu vois. Merde. Mon dieu. J'ai pas cliqué sur le chat, j'ai appuyé sur C, super. Quand c'est bon, Sino. C'est bon. Attention, il y a un marteau. Allez, on l'aide sur les deux premiers hits. Attention les cacs. Moi ce merdier, putain, qui m'a mis des zones sous les pieds. Oh. Encore une frappe et on commencera à déplacer. J'ai replacé le boss après la frappe, plus au centre. Ah bah non. Comment ça se passait? Faites attention, il y aura une frappe encore, normalement. Et attention, j'ai un ok, nice. Spawn ring. Merci. Ouais, on se place, full CD perso, minute.
on s'applique sur le placement, s'il vous plaît. Nous, c'est dans notre range à casu. Allez, font of corruption, partir. Hein. Là, il y a un ward dans notre range. J'avais entendu. Fonte. Attention. Mmh. On ose. Il va y avoir un marteau, on met les CD perso d'une minute. C'est BL dans 5 secondes. Même pas. Et, la... ouais. Et BL full CD. Les fontes. Ah. Et le premier cut, les gars, n'oubliez pas s'il vous plaît. Attention, hein. Marteau va prendre cher. Et ouais. Ouais, ouais, pas. Marteau mal placé. 227k du marteau, les gars. Mais regardez les casseurs, juste les casseurs, regardez où vous êtes là. Regardez où est le boss, regardez où vous êtes. Est-ce que vous voyez? Vous êtes censé être là où je saute le rond. Voilà, là où il y a Azu. Là, encore même un peu plus loin. Après, rien n'empêche la personne qui a le marteau de faire un pas vers l'avant pour toucher tous les quatre, même si on est mal placé. Et oui, on est censé être placé, je sais, mais. Vous êtes bien placé à la base, c'est ça. Isena? Ouais. Tu auras un res. Sur ton kick, est-ce que t'as un slash deal ou pas? Non. Ouais, je vais le mettre. Les casters, même si je sais le boss est jamais au même endroit quand on arrive en P2, c'est tout le temps à gauche du boss. Si vous avez pas le fond, à droite, mais par rapport au boss, pas par rapport au... à la scène. Ça évitera d'avoir des marteaux comme on a eu hein. Le dernier titre sur que le groupe de gauche bah, ça tue les gens qui sont trop appuyés. La branche, encore une fois, ok, il y avait une erreur de placement, mais enfin, si vous avez le marteau et vous voyez de vous toucher 3 personnes avec votre dernier titre, faites un petit bas vers l'avant et vous touchez tous les 4. Hein. C'est moi qui t'ai mis une zone. Ouais, c'est un des cakes de la droite. Moi j'ai eu l'annihilation strike après. Et vu que le boss il a bougé, bah tu sais l'annihilation t'sais, pour l'autre ad en fait. L'Amphiate, la frappe, c'est. T'as touché Nose et Dreams. Enfin, en gros, c'est Nose, Dreams et quoi. C'est un des trois qui l'a eu, qui l'a mise dessus. Le truc, c'est que j'ai bougé la mienne, mais j'ai atterri le pied dans une autre, donc le temps de rebouger, il y en a une troisième. Après, ça devient tendu. Je crois que c'est moi qui suis passé derrière toi à un moment donné. Bah, non, en fait, je sais pas. Comme Hendry et Deco, je peux en lire contre son score.
Voilà, maintenant faut que je arrive en P3 sur tous les pools parce qu'on n'a plus de raison de wipe sur la P2 la semaine dernière. Maintenant qu'on a tout vu. Comment je peux faire un focus de l'AD alors qu'il est pas là? Slash. Bah, tu te fais une macro focus. Voilà. Slash focus. Et puis tu te fais une macro avec ton interrupt sur ton focus. Tu veux les macros? Non, c'est bon. On attend quoi? Mâche pas, Eldric. C'est bon, attends. Allez, il a remis son spot. Allez, go. J'aime pas ça. Ah, oh, merci. On tout avance. Je te suis. Je te suis. Non, non, on se touter. Non, non, on dégage. Bah, Eldric, pourquoi t'avances pas après le bump? C'est pas petit. Perdu des petits. Ouais, mais ça fait 0 dégâts. Faut en profiter. Ah, bravo! Ah, j'en ai marre quand ça pré-poule comme ça. Non, mais y'en a qui ont des soucis en save game, je pense. Bon, bah, c'est pas ça qui va changer le fight. C'est un peu boss. Hein. Ah, le marteau, on avance. Allez, avec on lui. Prend les hits avec Nora. Nora, il n'est pas disperse. Dispel Dreams. Allez, on se replace. Oh putain, fais gaffe. Oh. C'est parce quoi les tanks là? Deux fois. Bon, bah, gars, faut plus avancer au cac avec lui. Non, mais go, go. Faut pas, c'est bon, on va pas faire des pulls avec un DPS mort dès le début. Ouais. Bon, c'est bon, on connaît le fight. Hein. Noz, fais gaffe, tu bouges trop vite. Ouais, j'ai bougé beaucoup là, ça ici. Du coup, les gens, vous pouvez courir partout, sur qu'on puisse voir. Et en fait, tu te réfères au vol, ouais. Tu vois, ça fait un premier tick, et après, ça fait un deuxième tick. Là, tu bouges après le deuxième tick. Non, mais vous avez pas la Wicora depuis le temps. Non, mais on s'en fout de vous. Ah, mais moi, j'ai. Bah, la Wicora, on s'en fout pas. Il alors... y a des gens qui font chier à trouver des Wicora, alors vous les prenez. Il y a marre de dire, au bout de 150 pools, ah bah non, mais j'ai pas la Wicora. Bah non. C'est une question d'habitude, hein, pour moi. Oui, parce que... bah, si vous avez un adapter comme ça, ok, vous faites pas de conneries, vous faites pas d'erreur. Et bouge pas après le premier tick, quoi, parce que sinon. Ah, après ça fout la merde au chien, quoi, j'imagine bien. Ouais, je suis pris ça, oui, quoi. Et ouais, non, les gens, le marteau, faut le suivre, hein, faut quand même. Ah, ouais. Le problème, c'est qu'il a pris les deux premiers tickets avec les casters, puis les casters ils ont pas avancé, et le dernier tick, on a été écrit à 5 à le prendre, je crois. Oh, c'était quoi le bump au pool là? Je sais pas, j'ai pas compris d'où il est sorti celui-là. Le bum vous êtes pris hein? Ouais, au pool. D'un coup, ouais, est-ce que tu peux me filer sur PS la macro que je t'avais filée pour poser des bombes vivantes? Ouais, s'il te plaît. Je t'envoie ça sur PS. Merci. Merci Xou. Merci. C'est bon André. Merci. Crax dépêche-toi André, on va s'en couper.
peut perçu le reste. On peut lancer le pool. Hein. On peut pool direct là ou bien? Non, on peut, on peut. Non, on peut. Quand je fais une intro, je n'ai pas seconde. Mais il spammait bien les debuffs Touch of Arm, hein. C'est vraiment. J'ai l'impression qu'ils sont pas. Pas beaucoup spammés. Pose un gif, ce que tu l'as parlé. Du coup, vous jouez Harry, ce n'est pas à faire des flash heal non plus. Mais... C'est bon pour moi. C'est parti. En fait, t'es derrière moi maintenant. Ouais. Faut bouger. Contre 4 là. C'est trop lourd à dispel pour un live, franchement. Qui fait ça, m'arrêter. Il y a un marteau, je me suis. Romaine. Attention à la frappe, dans le marteau. Pourquoi t'as bougé? Bah, pour pas la mettre. Facilité dans le, pour pas tuer tout le monde en fait. Non, mais nose, mon dieu quoi. Ouais, je suis au réseau s'il vous plaît. On attend la deuxième frappe. Cette frappe, on se place. Passez-vous ceux qui sont pas. Et bien la gauche du boss. Hein. Les casters, il y en a qui sont très loin. On va faire les CD persos d'une minute qui sont disponibles maintenant. Ouais, t'as RC Dreams. C'est bon. Fonte. Y'a Flamfia. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète. Izena, tu mettras le RC sur le prochain marteau, ok? Ok. Allez, on se place bien, s'il vous plaît. C'est que du placement. N'oubliez pas les kicks. Là, t'arrivera, on va voir. Fonte. Y'en a qui sont beaucoup trop loin du boss, les casters. Oui. Rapprochez-vous hein. Et les fonds aussi d'ailleurs. Regardez, il y en a qui sont vraiment vraiment trop loin. Attends. Bon, c'est la mort. Ben dans 4 secondes. Bah c'est des persos full maintenant. Et on burst. Caster, placez-vous bien. DL. Bag. Force. Merde. Et fonte. Attends, on peut y aller. Potes, là, mon groupe, on peut y aller. Recule, mon fils. Regardez votre range. Ouais, que ça crie. Mon groupe, on va pouvoir s'écarter.
la dream, je peux pas kick. Doucement. Non, je kick, je kick. Et on a un marteau suicide dans 10 secondes. Ok. Mafia sacré. Placez-vous bien, placez-vous bien. Marteau suicide dans 10 secondes, vous regardez la guide démo. Et tout le monde sous le boss, et marteau suicide, vous êtes prêt. La quête, elle est avant. Ça part. Et y'a le. Parfait. La res. Un ballon mal placé. On peut pas, ok. On bouge. Ouais, que ça crie. Désolé, j'ai pas annoncé, j'ai plus res. On bouge dans 3, 2, 1. On bouge. On continue, on continue. On bouge dans 3, 2, 1. On bouge. Y'a un res. Je res. Dreams, oui. Ouais. Et on bouge dans. Ah bah on bouge pas, on se met près du mur là normalement. Et voilà. Bon, près du mur là pour prendre des dégâts. Beau. Bref. Alors les gars, juste vous avez pas le droit de mourir parce que vous voyez, à la fin il y a un marteau qui suicide. Quand c'est Neyeldra, si on a utilisé des BR avant et qu'on a plus Neyeldra pour sa dernière phase, sachant que pourquoi on a les BR gars sont insane. Bah non mais pourquoi on a BR? Parce que Chorizo est mort, je sais pas pourquoi. Et du coup bah si on a plus de BR, qu'il n'y aurait pas là en P3, bah ça va être compliqué de tuer le boss. Ça on sait qu'on doit pas mourir pendant le combat. Bah ouais non mais je veux dire je pense, si je pense pas dites, que Chorizo était extrêmement. Ah mais je sais bien. Mais pour dire que faut pas se dire c'est bon, de toute façon il y a bien des gens qui se suicident, au pire si je suis mort ça change rien. Et les BR ils sont là pour les gens qui se suicident, pas pour il n'y a pas de fatalité, si jamais un mec meurt, c'est que c'est forcément la faute de quelqu'un. Par contre, les casters, moi je parle des casters, j'ai vu les casters. Là, vous avez vu, le boss il était placé très bizarrement en P2, et pourtant on était bien placé, donc c'est bien, faut continuer comme ça, vous placez par rapport au boss, pas par rapport à la salle. Il n'y a pas eu trop de cliff normalement, je l'avais vérifié sur les logs. Ah, c'est toi avec lui qui a dispel, ouais, dispel pas quand quand y'a rien. En fait, le truc c'est que sur tout le début du fight, en gros, je garde mes stacks et tout pour la seconde où le truc pop. Et la seconde où le truc pop, je cours où et j'envoie un million sur le mec qui a le debuff. Et genre, quand tu la dispel juste avant que je l'envoie, ça m'a fait un peu chier. Frit, tu meurs avec la Font of Corruption. Après, je sais que c'était pendant le bump, alors t'as peut-être pas eu de chance. Et tu meurs, je t'ai apporté d'un mec à la Font. Et sinon, les 4, c'est bien, vous prenez plus les gars. À parler de temps, sinon il y en a. Après ce coup là, on prend une pause et après on enchaîne les poules. Il n'y a pas besoin de parler entre les poules, maintenant tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et parce que là, on a passé trop de temps à discuter. Bah, Xul, en fait, je vous explique, dans des cas, ça les est très compliqué. Du coup, on va d'abord faire Velary, puis quand on aura des cas, on ira faire Xul. Mais d'abord, on va faire Velary. Faut déjà faire Velary. Par contre, les tanks, c'est possible de laisser le boss bien au milieu ou c'est trop dur parce qu'il se déplace bizarrement? Ça dépend des poules. Là c'était bien, on était bien placé. Lance un pool. Neyeldra est pas là. Neyeldra elle est là. Mick elle était pas là alors. Ouais mais juste ça. C'est bon. Oui. On va reset. Le rotten t'es pas, le rotten t'es pas. Oh c'est beau zip ça. Dommage.
coup faut attendre un peu. Oh, ce skill à la bop et à la bulle. Ah oui, c'était beau, c'était beau. Alors là, par contre, Frick, j'aimerais savoir comment t'arrives à reprendre, sachant qu'on poule la casu. Je te pose la question. Trop de DPS, trop de puissance dans les bottes de Frick. Maintenant que t'arrives à passer, nous on en a déjà chier. Je sais pas, je vais bouger, je tape dessus. Frick, c'est bon, t'as rebouffé et tout là. Faut attendre un petit peu. Faut attendre. Combien de temps? Je sais pas. 30 secondes environ pour que les états remontent. 23 secondes à partir de maintenant. Si y'en a qui ont. 45 secondes pour moi, je veux. Voilà. Mais tu vas exporter des images mémoire de ta respect? Oui. Ok, bah on s'en fout. Non, je crois pas, non. Mec, je vais pas t'expliquer qu'un 1,5 million de dégâts ça peut faire pas mal ton boss. Pas 1,5 million. T'as 3 mages et 1,5 million. C'est bon, Frigg? Ouais, ça va. Bah, moi, ouais, c'est pas moi qui. Enfin, c'est Sakou qui doit atteindre ses. Pour moi, c'est bon. Moi, non, c'est... mais je te demande juste, c'est toi qui es mort. Ouais, moi, c'est bon. Ah, ouais, c'est bon. Tu vois, ça reste le temps de manger, t'as vu. On va peut-être pouvoir s'en manger. Pas de poule, pas de poule. Y'a Henrik qui a dit qu'il était pas prêt. Il est sympa, la vie. Tu peux pas te donner un peu de plus de DPS, genre. C'est bon, c'est bon, vas-y. Il veut pas le prendre, pas, le boss, j'ai essayé de lui dire d'appuyer sur le bouton insta-kill, mais ça va marcher. Oh, oui, très gentil, ouais. T'as trouvé d'où n'était le problème? A priori, je suis sorti de. J'avais l'application Curse qui tournait en arrière-plan. Et ça pouvait venir de là en fait. Ok, en soit, je suis à 34 MS. Et concentrez-vous. Je vais replacer le bassin, après la frappe. Il part un marteau. Je suis blink au catch. Le Frick décale. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non mais... Oh lol. Oh. Ah ouais. Sacré Aurex, ça plaît. Mais je le ramène. Alors on va commencer à se placer. Beaucoup mieux là, il est là. On se place bien à gauche du boss, les casters, plus au 4 possible. Note. Des persos. Et les fontaines. Fontaine ne restait pas si loin, je pense à un peu. Nickel. Fontaine. Ah oh, fuck, c'est quoi ça? Attention. Belle dans 13 secondes. Fontaine, n'oubliez pas les kicks. Hein. Sacré Aurek. Fontaine qui sera suivi d'un marteau. Donc cac. Marteau, c'est des persos. Donc BL. Non. Elle a franchi. Faut dispel Nayanra.
peine. Dreams VG. Faut dispelser l'autre vite. Mon groupe on s'en va. Il reste 1%. 15 secondes le marteau de suicide. On est en avance. Hein. Tant mieux, tant mieux. Mais attention quand même. Ce sont gate. Il y a plus que son taf d'action, tout le monde sous le boss. Attention, attention. Restez près des gates, hein. Restez près des gates. 5 secondes le suicide. On bouge. What? Easy. Allez, on est. Vous avez pris la gate? Non, mais. Pas de. C'est pas grave, c'est pas grave. On reste sur 1-2-2. Okay. Rapprochez-vous, hein. Rapprochez-vous les tanks. Ouais. Sur le. Il est vigilant. Non, rien. On bouge dans 3. On dispelle la vie. 1. On bouge. Et on se met contre le mur. Contre le mur. Pas de res. Aurex, sacré Nafia. Là, le SLT. Essaye des persos maintenant. Dispel Zelot. On se remet sur le rond. On dispel Zelot. Dispel Zelot, j'ai pas le CD. On se remet sur le rond et okay. On bouge maintenant. On est sur l'AD. On est sur le rond. On bouge dans 3, 2, 1, maintenant. Une cible sur l'Infia. Ah non, il y a tout seul les deux, ah, c'est bon. Donc les gens, Zilot il annonce quand il faut bouger, vous bougez pas avant. Et pourquoi Ballon et Harry vous êtes partis avec le truc? Parce que grave stressé quand vous avez pris le. Parce qu'en fait on a été trop vite et du coup il y a l'annonce de la flaque qui a pop, voilà, à la place ça. Du marteau et du coup les gens ils ont cru que vous avez un marteau. C'est ça. J'ai failli faire pareil. Du coup si on a de l'avance, n'allez pas. Au CAC, si la gate n'est pas au CAC, vous restez à distance, vous attendez 3 secondes le marteau et ensuite on se monte. Ça sert à rien de se paquer dès qu'on passe en P3 si le marteau il est dans 3 secondes. Oui, c'est si, cool. si on a encore de l'avance comme ça. Ah ouais, désolé, j'avais dit que j'aurais fait. Ouais, non mais. Vous voyez le petit gnome qui bougeait plus, c'est bon. C'est en cours. Putain, j'arrive à survivre, c'est ouf. Là, il y en a Eric qui est en clarté, je pense qu'il joue un peu. Ouais. User was joined to your channel. Alors, on va faire une pause peut-être. La faire tout à l'heure. Ok. Pas mal sinon, c'est pas mal. Je vais tomber ce soir. User left your channel. Thank you.
user joined your channel. Ouais. C'est la fin de la pause ? Non. Une 16. Ah, je voyais pas, putain. Non mais ça coûte, c'était pas ça. Pas ça. Je comprends toujours. Par contre, Rick. Oui. Il y en a que t'as dispensé de, enfin des classes particulières que t'as dispensé de potes ou pas? Absolument pas. Pour rien qui vote pas. Ok. Vas-y, non, mais dis-moi parce que. Donc, bah du coup les war potaient pas sur les ailes du boss, potaient sur la BL. Mmh. Oui, ils ont le droit de pas le faire. Ça, bah, tu m'as dit. Bah, tu viens de me dire que lui avait. C'est pour ça que je t'ai demandé en fait. Tu m'aurais dit qu'il y aurait les war. Mais non, pardon, j'avais pas dit, mais j'avais pas pensé au war. Oui, ok, non, bah, ouais. J'ai rien dit alors. Et pareil, on use pas de dealing tonic pendant le fight. Bah, évitez si vraiment vous avez que ça. Non, bah non, enfin, bah, dans l'optique de vouloir tuer le boss. Non, attends, là je t'arrête direct. Qui a utilisé ça? Quoi? Qui a utilisé une tonique de soin là? Pas sur les logs. Comment? Pas sur les logs, tu verras. Moi je veux pas balancer tout le monde, ça sert à rien, mais il y a eu des toniques de soin qui ont été utilisées, sachant qu'on n'est pas censé en utiliser en dehors de du shitronic de la bulle. Vas-y, link-moi les logs là. Bah y'a que crack. C'est pas si grave que la personne le dise, moi je lui mets une clarté, c'est pas. Ouais, voilà. Ouais. Vaut mieux qu'elle meurt. Non, mais attends. Je me fais pas chier à te claquer cette putain de truc. Y'a pas besoin de. Les gars, moi j'ai changé de toll stone. Avec le bouclier et sur les logs, c'est affiché que je l'ai fait au tonique. À mon avis, ça compte le bouclier. Ah, ouais, parce que moi aussi j'ai utilisé un tonique sur le même soir. Oui, mais on a pas fait deux fois le deuxième toll stone. Microphone muted. Oui, par contre, regarde. Non, mais le bum, c'est. On n'y est jamais arrivé donc normalement. Ah, juste Rignose, normalement, il y a zéro. Oui. Enfin, il n'y a pas de raison de filtronique pendant pendant la soirée en fait. Sachant qu'on n'a pas encore fait le deuxième gavel. Après. Pourquoi on meurt là? C'est parce que. On prend le bum. Le bum, ça va. Et juste après, je sais pas pourquoi, sur le déplacement, ça nous tue. Mais quel déplacement? En fait, quand on est bump. Les tanks qui sont censés être sur nous, on n'a pas besoin de passer sur les tanks en fait. Ouais, pas ça, mais après on prend le bump, machin, tranquille, on remonte. Après il y a la zone qui pop, et là sur cette zone là on se déplace. On fait la pause pour discuter de ça. Ouais, mais c'est bon. Un petit robot ou pas? Il y a Zui qui prend un cacheton, il arrive. Voilà, attends, essayer de délayer un peu plus, essayer des persos, genre les mettre après le bump. Le bump au final il tient avec la barrière et le SLT. Par contre après il y a le déplacement, il faudrait que les persos fassent la fin des dégâts du bump plus le déplacement derrière. Non, je suis en train de regarder juste. Attention, il y a des casters qui parfois se passent mal sur les fantômes corruption, juste faites bien attention après cliff sur vos copains. Parce qu'il y en a qui cliff 0 de la soirée, il y en a qui cliff. Trentaine de fois, le raid, c'est pourquoi on crève là-dessus, c'est qu'on est mal placé, on est pas bien placé. Je sais pas. Il y a des flaques partout, du coup, que temps de traverser, on prend. Mais la flaque pop sur le temps, normalement. Ouais, mais on est pas bien placé. Non, pas la flaque pop sur un. Stop, joueur. Stop. Ah, bah on continue à faire comme ça, on se plaque bien. La flaque pop sur un joueur aléatoire, on s'en est tous plaqués, elle pop sur le temps, vu qu'on est tous plaqués sur le temps. Et il y a des icônes, donc on se plaque sur les icônes, pas très dur. Ah,
Non, tant pis, tu mangeras pas. Il va voir un marteau. Sérieux? T'en rêves rapidement. En bœuf. On va se placer, on attend juste sa frappe. Du coup, vas-y. On va se placer. Alors, ce que t'as fait, crack? Bah, mon. Sur le plante. K. Ah. K. Oh là là. Et bien. Ah, voilà. T'es verso. Ah ouais. Moi et moi. Aurek? Oui. Sur ton dernier tick de ton edit, tu touchais les calves ou pas? Je sais pas. Parce que bah, moi je suis mort, j'ai voulu te suivre sur les 3 hits et. Ouais, je sais, normalement les calves qui l'ont tué le dernier. Je sais pas. Il y a encore des casseurs qui ont arrêté de te suivre au deuxième. Peut-être, peut-être. Oh, mais bah, je te le dis. Ouais, c'est un peu relou. Soit c'est soit on est pas bien réparti dans la salle et quand c'est du mauvais côté, y a pas assez de monde, soit y'a qui suivent pas et du coup, bah. Quand on a pas de chance et que. Fatigue un peu trop. Tu m'as suivi en blink ou tu m'as suivi en marchant? En marchant. J'ai marché. Ouais bah. Et tu prends trop de dégâts en marchant jusqu'à moi. Enfin si soit tu prends le premier ticket avec moi, soit tu blink au cac pour prendre le deuxième, soit. Alors voir, faut marcher doucement quoi, genre, faut pas. Vu que t'es loin, il me semble que voilà, t'es un peu au fond, t'as dû courir. Ouais bah le troisième loin. J'aurais pas dû le prendre, mais après ouais, enfin j'avais peur que tu aies personne avec toi. Ouais. Non mais t'as ouais. Raison. Non t'as raison, t'as bien fait mais. Non mais ouais, je devais être pour le HP. Bah il a pas bien fait sinon il serait pas mort. Il a bien fait dessus parce que ça se trouve il aurait pas eu plus que mort. Il aurait eu tous ceux qui avaient soc avec moi parce qu'il en était pas assez. Mais après ouais il aurait dû être soc pour moi. J'aurais dû blink pour ça. T'es pas sous écorce me semble-t-il. Je l'ai déjà utilisé dessus, j'avais eu. L'histoire de Bigoudi plus tard. Ah c'est juste ça. Ah bon. Bigo. Harry est prêt, ouais. Il manque. Harry et Ballon, vous êtes prêts? Oui c'est en ce moment. Harry. Il y a 20 secondes pour être prêt, c'est ça. Oui. Oui, oui. Ah, je croyais que j'avais répondu des SMS. J'ai vu la lumière.
Zou a fait un vol plané. Marteau. Et on suit, hein. Merde. On remet des cales. Ah merde. Vas-y. Nose, faut le dispel. Bien les cages. Encore une frappe en soignant à se placer, on attend. Ok. Ah, on va se placer. Attention aux zélotelleries, la montre. Inquiète. Allez, tourne au cac. Marteau, dans 3. Allez, fontaine de corruption, nickel. Et fontaine 2. Homme de l'aide, attention. Dispel Nayel, please. Allez, 8 secondes la BL. Sacré au Rex, s'il te plaît. Pas de soucis des persos. Green, j'arrête d'avoir. C'est parti le burst. Il n'y a pas les kicks, hein. C'est qui le voir qui est dans notre MG? Il faut vous gérer. Hein. Ok, mon groupe, on peut y aller. Aurex, ça crie. En groupe, on va pouvoir s'écarter. Doucement. Dommage, Isana. Marteau suicide dans 10 secondes. Isana. 10 secondes, t'es sûr? Bah, ouais, c'est. Attends de voir le premier marteau, c'est sur un heal. Ouais. Attention, on va avoir un marteau dans 5. Bravo, cliquez. Fais bouger. On se place sur le devant plus doucement. 2, 1, on bouge. Un reste sur Andromède. Dream Jugil Infior. 3, 2, 1, on bouge. Et tout le monde sur le mur. Ensuite, d'accord, on se remettra sur le tank. Lentement. Et SLT maintenant derrière. Tu peux laisser des persos. Pas tout de suite. On reste sur le temps, maintenant, on reste sur le temps. Tout le monde, c'est les persos maintenant. Et. Il va falloir bientôt bouger. On bouge. Doucement, on reste sur le temps, on est sur l'AD. 3. Tout le monde sur l'AD. 2. Mais il y a une drone open sweep. On bouge. Arto suicide dans 5. Préparez-vous. Une gate violette. 1. On bouge. Marteau. Aura. Un peu. 3, 2, 1, on bouge. Ah, c'est le. Ok. Ça, c'est shit chronique. Ouais. C'est pas un. C'est un reste de fric, c'est pas un reste. Ah, ouais, c'est une map. Comme t'es pas je pensais que c'était un bump. Un riz ou fric, c'est un riz. 4 minutes, y'a pas d'air. Ah, ok. Je pensais que c'était une flaque, c'est ma faute. Mais c'est marqué de la même manière en fait sur mes annonces. Et je pense que la baguette ça sera nickel. On l'aura. Donc là on le prend. Il a touché quelqu'un au marteau ou pas? Non. Non, c'est bon. C'était nickel. Ce bump là on le prend sur la grille de l'entrée, c'est ça?
On est censé le prendre où en fait ce bump là? Ouais, c'est ça, ouais, sur la grille. Le bump, oui, sur la grille de l'entrée en fait, oui. D'accord, okay. Il va nous déplacer un peu, mais faut le prendre à la contre des ordres. Ok, d'accord. Par contre, faut pousser sur la. Faut défoncer. Mais t'es à combien? 50 après, là c'est... Non, mais c'est. T'es à 30, enfin, mais. C'est normal dans la mesure où. Au début il va pas prendre beaucoup cher, mais à la fin ça va aller super vite. Genre les derniers pourcentages avec le buff qui se stack et tout, il va se faire OS. Hein. Les 30 derniers pourcents ils vont. Et puis voilà, il y a eu des gens, tu dis attention au marteau, il y en a 4 qui partent en gate quoi. Chorizo, ouais, Chorizo Andromède, c'est ça, vous avez pris la gate. Alors que... Chorizo il avait le marteau, hein, c'est normal. Oui, Chorizo vous l'avez. Mais Andromède. J'ai pas décalé en fait. Voilà, bon, j'ai fait les coups correctement. Par contre, avec le DPS qu'on a maintenant, quand on arrive en P3, vous paquez pas de suite au boss. Attendez, vous restez près de votre guide démo. J'ai pas fait la première annonce de bouger parce que la première flaque elle va intervenir à peu près en même temps que le marteau. Donc vous gérez vous-même. La première flaque vous l'esquivez, on s'en fout, c'est une flaque qui est mal placée. Juste vous restez près de votre gate, vous cliquez et ensuite on se met sur le temps. Et sinon, les déplacements c'était bien, je pense. Ça allait pas mal. La baguille là, je pense qu'elle était vraiment bien hein, parce que. Je sais pas si vous avez vu les îles, mais en fait les bumps après, vu qu'on est plus haut en PV, c'est vraiment le premier qui on a besoin de l'absorbe, donc je pense que c'est pas mal. De toute façon, on l'aura up pour la fin du boss où les dégâts sont vraiment insane, l'absorbe pourra du coup être le tien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'était pas mal, la P2 elle était bien. Yo! Yo! Du coup, ton HTT, tu l'avais pas sur le deuxième bump? Il était pas encore up? Sur le deuxième bump, si, je crois. Celui qui était contre la porte de l'entrée, ouais, ouais, ah, toi ouais. T'es mort avant le bump là. Ok, donc ça c'est bon. Et mais Yeldra, nos Azus, ça fait pas chier de pas revenir en tout. Et la tranquille Harry, tu l'avais ou pas? Enfin, tu l'avais dans combien de temps? Parce que tu l'avais pas, mais. Non, j'ai pas fait gaffe. Dernier bump, le SLT, je sais pas si c'est. Correct. Ouais. Quand on se fait bump, le premier bump là, les DPS. Le temps qui sera avec nous dans le coin, vous n'avez aucune raison de bouger avant que je fasse le call de bouger. Hein. Vous restez dans le coin et on bouge que quand la flag pop. Ça fait des dégâts en moins et sachant que c'est au moment du gavel, on prend déjà super cher. Donc se déplacer, ça sert absolument à rien. On se déplacer peut-être. Non, parce qu'on est déjà bien placé. Si on est bien l'un sur l'autre au moment du bump, on est l'un sur l'autre une fois le bump terminé. Moi je suis dans le coin donc je me replace pour pas avoir à faire un crochet quand justement je dois me déplacer sur le. Justement, normalement c'était bien placé au premier bump, en fait. T'as pas de crochet à faire. En premier ouais. Bump, après deuxième bump, il y a la keep up. Juste après que le deuxième bump, là il y a une flaque et on sort du trou. La flaque elle va pop à peu près là. Toi t'es là, tu te fais bump, hop, on reste ici. Et quand la flaque pop, hop, on avance. Et t'as pas besoin de te replacer une fois le bump fait. Ouais, bah, je fais un mètre pour sortir du coin, c'est tout. Ouais, je sais, mais c'est au moment du gavel, on prend super cher, enfin voilà. Ce qui se passe, c'est que quand on se fait bump, bah, ceux qui bougent pas au niveau du bump de l'AD, on est encore dans l'angle vu qu'il y a toujours pas eu de flaque. Il y en a, ils sont déjà sortis de l'angle. Du coup, quand les flaques pop, ils tapent en dehors. Faites attention, il y a deux bumps. Hein. Il y a le bump à ce moment-là quand on est dans le coin, il y a le bump de l'AD qui pop et ensuite il y a le bump du boss. Il faut prendre les deux dans l'angle. Ouais, oui, il faut pas sortir. Là, j'en ai vu qu'ils sortaient avant. Hein. Faut pas sortir. Hein. Ouais. Vous sortez que quand on vous annonce de bouger, c'est tout. On peut pas se permettre ce genre d'erreur sur le deuxième bump. Par contre, en P3, c'est assez important les assist heal vu que vous avez votre DPS boosté et qu'elles vont du coup être vraiment puissantes. Tu les veux quand? Bah, justement, j'allais te dire. Nora, tu la gardes toi pour en gros. Comment dire? Tu vois le bump qu'il y a eu là contre la porte de l'entrée? Celui où quasiment tout le monde était mort, genre là où il y a la gate démo de mon Roman. Là où il y a Zelot. Donc, ce bump là, dès que t'as été bump, donc dès que tu peux reprendre un cast, tu mets ton assist. Ok. Ok. Et Zelot. Je l'envoie pas en P2. Ça dépend. Là, il te restait combien de CD sur ton assist? J'ai spécialement pas fait attention. Ou... Ok. Vas-y, non, mais lance-le, t'inquiète. Je fais comme d'hab et je regarde. Ouais, essaye, voilà. Essaye de faire comme d'hab et regarde. Sinon, tu la claques sur le CD dès qu'elle est up si tu l'as pas à ce moment-là. Ok. Zelot, essaie de la garder pour après encore le bump d'après. Ça marche. Pareil pour Abalone, pareil pour Fou. Pour la mettre en P2. Tous les trois sur le bump d'après. Vous pouvez la mettre en P2. Oui.
Personne qui stream? Je vais le remettre après si tu veux. Il va y avoir un marteau. Un dream league. Yeah. Ah, t'es passé. On était plus assez. Bah ouais. Non, parce que là, moi, quand j'ai vu le bin, je me suis barré quoi. Genre, je me suis dit, il y a tous les cacs. Ouais, mais les cacs, il y en a que 4 mec. Hein. Moi, quand j'ai vu que c'était à droite, je suis pas. Mais enfin, je sais pas, moi, quand j'ai vu le marteau, j'ai tout en bin pour cac. C'était bon. Thérèse. Il y a l'infirme qui stream. Ok. Des BRS sur les martiaux. Ouais, ouais, my bad, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cacs, mais enfin, je sais pas. Je pense pas que tous les cacs ont eu l'homme. Ouais, enfin, si, vu qu'il y a eu Free, Gizena, Eldri qui avait le marteau et moi qui sont morts, c'est-à-dire qu'il y avait que dans le marteau, il y avait Eldri, moi, Free et Gizena. Ouais, il y avait. Bah, il manque des cacs. Ouais, il manquait Dreams et Nose. Il manque parce aussi des casters. Ouais. Et... Sachant que chaque caster, donc en l'occurrence les mages, les druides, ces transferts pour aller ce qu'avec non mais tu peux pas dire ça, moi j'étais au niveau de la porte de trans de la porte démo à gauche et j'étais pas dedans, donc il y a peut-être aussi un mauvais placement au niveau de la personne qui avait le truc, tu vois, peut-être décalé un peu à droite. Non, mais ça... quel côté on est placé, hein. Mais ça serait très si la zone, si le mec va au cac, vous allez au cac avec lui. Mais qu'on a jamais eu le problème depuis tous les pools là, Joseph Indus par contre mon arme qui est placée, ça va faire. C'est la P3 là qu'il faut qu'on travaille, le reste Joseph c'est maîtrisé dans la... Normalement. Ah oui, non mais c'est sûr, on n'a jamais eu le problème. Non, le mec d'un point de vue, ce marteau, c'est toujours la cata parce qu'il y a toujours et des mecs qui sont... Je suivrai toujours si c'est à droite, ça marche. Et... C'est pas... Enfin... Personne a un GIF, non, c'est vrai? Non. User entered your channel. Yo. Bah, si, Et ensuite? Ouais, nos adrim, c'était pas... Non, ce sera ici, j'étais pas dedans. Ah, ok. Attends, je vais te montrer où j'étais avec un signe. Ah, mais cool ou pas là? Ouais, go. T'es là. Vous n'étiez que 4 dans le dernier type de marteau. Ouais, juste. Vous êtes. Il faut être environ 10. Thank you.
plutôt. Et ça a blink au cac, les mages vous venez. Wow. On reset, on fait un raise. On reset. On ramasse raise. Pas le debuff. Tant que cette frappe, c'est pas possible pour vous de la taunt sur vous. T'as déjà dit qu'on pourra, que ça sert à rien d'une et que de deux on a déjà des problèmes avec les taunts parce qu'il y a trop de taunts. Donc on va pas s'amuser à taunt toutes les 8 secondes. Des fois ça marche pas, le boss se tourne pas. Après le truc c'est qu'il faut pas non plus se mettre pile sous le boss, vous pourrez risquer de... Enfin, comment dire. Il y en a qui se mettent pile sous le boss donc du coup vous prenez quand même la frappe même si elle est orientée vers vous quoi. Ouais non mais le truc c'est que là j'aurai la pop sur moi, j'étais en train de soquer avec le marteau, je me suis décalé et je peux pas... Attends, je vais juste regarder un truc. Non, non, mais ça n'a rien à voir. Enfin... Non, mais si, c'est la frappe. Si, 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 non, mais la frappe d'avant, il y a eu Aurel, Trig, Eldri et Izena dedans. Voilà, il n'y a pas que deux cacs, donc voilà. Mais là, c'est pas ça, le truc là, c'est que c'est la frappe annihilante. Puisque la frappe annihilante, elle a pop sur moi. C'est soit je restais en plein milieu du marteau avec tous les gens qui soquent et je les tuais tous, soit j'allais me décaler donc sur la droite qui était l'endroit le plus proche pour moi. Dans ce cas-là, il y a des gens qui étaient sur la droite qui ont été surpris et qui se sont fait tuer. En fait, le souci c'est que tu t'es déplacé et par exemple, moi j'étais en train de me déplacer pour esquiver aussi. De toute façon, si t'as la frappe et que t'as le marteau, toi t'es au centre du cercle, les gens ils se mettent sur le bord du cercle et ils prennent pas la frappe. De quoi tu parles. De toute façon, pour les marteaux, c'est full, c'est des berceaux sur tout le monde. Hein. Enfin, oui, c'est sûr. Normalement, vous pouvez difficilement mourir. Vous êtes tous des berceaux, à moins si vous slackez dans un truc. Oh. Ou si on n'est pas assez à vous sauter, mais là, c'était pas ça. J'ai tué Chorizo, je sais pas pourquoi Chorizo a pris autant de dégâts alors que. C'est pas. Ça fait deux fois que je le tue, je suis pas le pauvre. Est-ce qu'il est à droite? Celui qui a la frappe, il s'écarte pendant le marteau, tu vois. Oh. Exactement ce qui s'est passé. Des persos, on avance avec lui. La frappe bouge pas. Ah, c'est très bien. Il se fait trading. On va se placer après la frappe. Putain, comment ça se passer?
Ouais, il doit se passer. Correctement. Marteau dans 5 secondes, on aura les. Mais c'est des persos. Le fond de placez-vous correctement. Attention. 15 secondes d'ABL. Pas sur Dreams. Ah putain. Faut une attention. Faudra que ça crie. Marteau dans 5. Faudra full CD. On va voir l'ABL en même temps. ABL maintenant. Dispel Nos, please. Passement, attention. Elle est fonte. Faites-vous correctement, attention à fatigue sur les copains. Ouais, que ça crie. Allez, tenez, tenez. Dispel the load, please. Alors on la passe, le marteau suicide est dans 10 secondes. Vous restez sur vos places. On attend. Marteau suicide, attention, maintenant. Et on se place sur le carré. Le carré, 2, 1, on bouge. Dispel easy. 3, 2, 1, on bouge. Pack 3 2 1 on bouge, on se met contre le mur et on ne bouge pas sur les deux bumps. Ok, c'est pas. Des persos maintenant. Ouais, c'est des persos, vous avez entendu. Ah, c'est je m'en soutiens. On ne bouge pas, on ne bouge pas. Dispel sur easy. On est sur l'AD, on est sur l'AD. 3 2 1 on bouge. Deux, faut que tu remettes une gate. 10 secondes la gate. Enfin, le suicide. Ouais, 3, 2, 1, on bouge. Ouais, tu la reposes, la pièce. Attention, ouais, le suicide. Pédé. Mais elle est loin. Elle grille, blink. Ok, nice. Ah, plus loin, plus loin. Allez, corse azur. On bouge. Attention, ça va être le bump. On se met contre le mur. Ouais, contre le mur. On clash, corse azur. Shield chronique. Ouais, oh, ah, putain, j'ai pas le temps. Là, sur un ça. Harry, attention, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. 2, 1, on bouge. Ah, je peux pas te reprendre le boss, c'est chaud. Par contre, il y a eu des CD call, je crois, qui ont pas été mis. Bah, vu qu'il demande 4 fois une. J'ai entendu 4 une fois. Les corps se faire. Il y a toujours une peine sup, il y a toujours une sacrée, il y a plein de CD, il est temps qu'il meurt. Il doit rester moins d'une minute au combat là. Oui. Oui. Il y a 3 CD de dispo sur les tanks, 3 gros CD, il y en a aucun qui est mis, il y a Azu qui parle. Je suis mort au moment où j'avais call le mien. Désolé Azu, j'ai pas entendu. Enfin, j'ai entendu la dernière du coup que t'as dit, parce que si tout le monde a entendu 4 fois. Mais elle a toujours pas été mise. Bah, il est mort juste bon. Après, donc après c'était. Ah, par contre, il y en a qui sont sur le boss là ou quoi, parce que... enfin, après, il y a beaucoup de morts. Ils s'appellent comment là? Ancien massacreur, ça? Non. Si peut-être. Ancien quoi? Souverain. Ouais. On a sûrement des morts dans l'ensemble, c'est correct. Il y a des gens qui sont plus aptes à bien DPS sur cette aide que d'autres. Ouais. Oh, reste s'il vous plaît. Et la porte, faut attendre pour la mettre. J'annoncerai quand il restera 5 secondes. Est-ce que les démos, si je vous annonce 5 secondes avant le suicide, vous pouvez faire une gate en speed à 5 secondes ou faut que je vous annonce un peu avant? Un peu avant, 10 secondes. À 10 secondes, c'est chaud, mec. Ok, on sera à 10 alors.
ils sont en train de faire un truc. Ils montrent à 10. Donc ils tournent la caméra. Pareil, le... vous avez compris maintenant le placement dans les bumps, c'est on bouge pas, on prend deux bumps de suite, on bouge après, et ça se passera très bien. Là dites-vous, après ce bump, le fight il est fini, il reste un dernier bump qui va quasiment tous nous one-shot de toute façon. Et après c'est fini. Et là on va avoir un buff de dégâts tellement monstrueux que... Et voilà, les phases de et tout. Bon oui. Nora, t'avais ton assist alors à ce moment-là ou pas? Je peux avoir un reste. Non, je vais la garder. Ok, garde-la, parce qu'elle est pas forcément utile en P2. Elle est pas utile en P2, garde-la en ce moment-là, parce que avec les dégâts que tu vas faire en exec et tout. Là, tu ouais, de toute façon, je quand t'as mangé, c'est bon, tu dis que t'es prêt, on prend. C'est la même chose. Et le boss meurt, pas de soucis. On a tout vu. Vous avez utilisé Shieldtronic, pensez-y bien. La M, je l'avais pas. Est-ce qu'il y a eu le HTT Xo? J'ai pas vu. Ouais, je l'ai vu. Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y avait un RC dispo sur le dernier map? Non. Izena, tu l'avais pas non plus? Tu l'as mis quand? Oui. Premier gavel. Ouais, je viens de dire que c'est bon. Go, c'est parti. Tu veux que je le garde? Garde-le pour le deuxième, ouais, c'est bien. Ok, ça va. Attention les co-opted lob, les co-opted blast vous ont encore fait très mal les calques. Faites attention à votre placement, sauf que c'était pas top. Et on avance avec lui. Dispel Nerims. On se replace, très bien. Crax sans vie. On saisit l'autre point. J'avais pas de CD. Dispel Saku. Ah! Ah, c'est pas un peu, non. On se place après cette frappe. Encore rien. Ah ouais, c'est genre. Là, un vision peut se placer. Parti. Placement exactement, on fait comme tout à l'heure, c'est très bien. Marteau dans 5. Votre placement les gars. Doucement. En 15 secondes. Et BL full CD. Et marteau. 10 secondes la BL. Ouais que ça crie s'il te plaît. Ouais 10 secondes. On se place. Préparez-vous, il y a retour en même temps, on va céder perso. Attention, allez BL.
Pressez-vous bien, attention. Mon groupe, on va pouvoir se débaquer. Doucement. Ok. Allez, doucement, suicide dans 15 secondes. Bah, attention, on reste pas dédié de démo. Suicide dans 10. 3, 2, on peut t'avoir les yeux. Attention, suicide. Je blink. T'es pas assez loin. Ouais, c'est pas assez loin. Mais, la gate, elle était pas sur le monde. Faut arrêter d'utiliser la gate quand il y a le condo de bouger les gens. Ouais. Ça fait deux fois d'affilée que les gens ils font la même chose. Ou trois. Et on aurait dû replacer la gate. Hein. On dit CD. Ça traîne, on s'en fout. Dispel free. Enfin, moi je pouvais pas la prendre la gate. Il y avait une flaque dessus et pareil. J'étais trop loin. C'était soit je blinkais et je mettais quand même des gens dedans, soit fallait replacer la gate. Ou alors faut commencer la phase de plus à droite. Ou sinon déplacer la gate au pool. Bah oui, mais on la replace après. Non, mais je veux dire, au lieu de la mettre là où on la met d'habitude, sachant que là on a de l'avance, autant la mettre décalée un peu. Ouais, c'est que les démos, vous placez pas votre gate, vous la placerez pendant le combat. Voilà. Et comme ça, en fonction du DPS, on pourra adapter la position de la gate. C'est ça. Ouais. Ah, de toute façon, votre taf, le démon P3, c'est ça. Hein. C'est passer des gates dès qu'il y a un truc. Ouais, c'est pour ça que j'ai l'autre, tu peux faire des restes. Oui. Quelqu'un, oui, Cora, pour voir quand on a le marteau. Parce que dans mon pack, là, il n'y en avait pas. Et j'ai peur parfois de faire la connerie. Non ? Ah oui. Si. C'est sûr. Enfin, moi j'ai un Ukora pour marteau en tout cas. Non, c'est peut-être pas la même chose. Et j'ai même un son qui me dit quand c'est sur moi. Donc. Oui, moi, oui. Oui, non, j'ai juste. Okay. En tout cas, pour le suicide, c'est ma faute, donc désolé. Hein. On a pas dit que c'était la nôtre, t'inquiète pas. Hein. Un salaud et l'arrive. Lié au rack. Ouais, pardon. Je sais n'importe quoi. Par contre, j'ai rajouté le son. Parce qu'il n'y avait pas de son du coup. C'est si difficile que ça de jouer mage, LD. Pourquoi? Parce que t'es obligé de t'acheter des Wikora en plus avec du son. Non, non, tu fais dommage, n'importe quelle classe, je fais la même chose. C'est-à-dire que t'es trop concentré sur ton DPS et tout, que t'es obligé de te mettre à 100 pour pouvoir bouger sur une capacité. Non, c'est juste pour pas l'oublier. Ça arrive que des fois je sois pas concentré et pour moi ça me rappelle que je dois bouger. Au moins je me foire jamais là-dessus. On est prêt? Tu te foires sur autre chose pour compenser. Deux secondes. Qu'est-ce que t'as dit, fric? Tu te forces sur autre chose pour compenser. J'ai pas compris. Laisse tomber. Bah, depuis le début de la soirée, il se foire pas sur grand chose, Eldry. Pour nous dire, Eldry, t'as un gros. Mais je parle pas que de la soirée. les cas, il faudrait qu'il y en arrête, qu'il arrête de prendre des clips des Phantom Pro Options. C'est toujours les mêmes et c'est trop de délire. Il y en a qui y arrivent, donc ça doit pas être sorcier. J-Crax. Le poulet zéro là. Non. Thank you.
Ah, c'est qu'il est devant. Merde, j'ai avancé trop tôt. Alors, marteau. Et on suit Andromède. Il y a des persos, oubliez pas. Touche pas, il y en a. Très bien. Bon. C'est pas visible. Prochaine frappe, on ira se placer. On commence à y aller lentement. Allez, on y va. Petit bon fonction du boss. Et marteau dans 5 secondes. On a de l'avance au DPS. Cinq secondes la BM. Doucement. Bon. Fonte. On aura check un le marteau dans 5. On prépare premier à groupe full de fonte, CD. On peut y aller. C'est des persos, full CD, PL. Attention, clique pas sur les copains s'il vous plaît. Madame l'a placé. Faut tuer un res, on va essayer de continuer. Faut un res du groupe qui est pas dans les fonds. Ouais. Je peux pas le res. On va la faire passer, on a le suicide dans 22 secondes, c'est beaucoup, on a de l'avance. On va faire une glitch en conséquence. Allez, c'est fini, on se place sur le tank, doucement. Y'a pas de signe, si, je vois pas. Okay. Avancez-vous les castors, avancez-vous. 1, on bouge. Paquez-vous, hein, s'il vous plaît. Je fais la gate. Oh là là. Ah, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, on va continuer. Suicide, marteau, marteau. Non, mais. Ouais. Non mais on a un... Enfin, le temps se fait ouais au début de la phase, si tu veux faire des raids là. Go faire des raids, on va essayer de... Non mais on a pas de raids déjà et... Bah, call reset, faire quelque chose. On avancera pas, hein. Enfin, c'est pas méchant, mais le... Enfin, on peut pas, avec les CD qu'il y a de dispo, perdre le temps, c'est impossible. Enfin, ça va nous bloquer pour rien et... Enfin, je sais pas, faut parler reste. Un peu, j'entends personne qui parle. Hein. Enfin, le temps qui meurt, j'avais même pas vu. On perd tout le temps les tanks au même moment et y a jamais personne qui parle. Alors qu'il y a tout dispo quoi. You were moved. User joined your channel. Y'a un problème ou comment ça se passe? Non. T'arrêtes pas de mourir depuis le début de la soirée. Mais de quoi elle arrête pas de mourir? Les poules d'avant, c'est pas moi qui crevais, c'était Azu. Pas dit que c'était... Non. Ça me tend déjà à jouer de pas... essayer de jouer pas le tank sur ce boss. Je fais déjà tout ce que je peux, c'est bon. Bah ok. Là je me fais surprendre par ma mort, hein. Même moi je suis surpris de mourir à ce moment là, tu vois. Là j'avais pas prévu de mourir. Sinon j'aurais mis mon 50 en prévention.
ok, moi je te dis juste que depuis le début de la soirée tu meurs beaucoup et tu coules pas forcément d'essai. Alors tu me dis. Je coule pas forcément d'essai, vous foutez de ma gueule. Vous voulez vraiment que je compte le nombre de CD que j'ai demandé depuis le début de la soirée ou pas? Bah écoute, moi je te dis que j'entends pas assez parler pour coller le CD. Je dis pas que. Voilà. J'ai pas demandé à toutes les deux secondes non plus, j'en demande quand j'en ai besoin, okay. Mais. Bah, par contre, je trouve que tu meurs beaucoup. Bah oui, mais bon, je peux pas non plus en demander, je peux pas prévoir à quel moment le boss va me déboîter la gueule, tu vois. Bah il y a quand même des moments où c'est un peu plus dangereux que d'autres, tu vois. Oui, bah c'est les moments où je meurs pas d'ailleurs. Parce que je lui demande des CD. J'essaie de trouver un truc parce que là c'est compliqué de te perdre à chaque. Pas à chaque poule. Mais si tu veux que ça se passe bien, bah, faut pas que je joue pas le temps. Vraiment. Faudrait que je joue un temps qui a de l'absorbe. Il n'est pas le temps qui arrive à le tuer, donc je prends exemple sur eux, je sais pas, mais je trouve une solution. Et ils ont pas un stuff pourri quand même. Hein. J'ai vu des pas le temps que le tuer avec moins de stuff que toi. Hein. Moi j'ai vu des guilles entières dans ce cas-là, mais bon. Bref. Y'a un voilà. On peut pas dire bah, quand massacrer elle part, elle met une écorce, puis comme ça au bout de 10 secondes y'a plus de CD. Et... Ah bah je sais, mais enfin faut faire quelque chose, ça sert à rien de rester bloqué sur ça si personne veut changer quoi que ce soit quoi. Tiens, quand il a plus de CD, il demande un truc. Hein. Est-ce qu'il y a un div s'il vous plaît? Moi j'en ai pas, il y a donc 12 minutes là. Ouais, par contre tout le monde répare, on en a pas, on en a pas ouais. Un dans 2 minutes. Ah, dans 12, vous pouvez. Merci. Bien. On a un Jeeves. Donc voilà, juste si c'est possible de parler pendant la P3. Enfin, voilà. On avance. Microphone activated. Hey Marteau, on le suit bien. C'est perso. Comme ça va spotter. On prend le dernier type du caster. Ok, parfait, on s'en va. Dispel Zelot, vite. Là, tu prends toujours ça. Non, pas toujours. Ouais. Attendez avant de vous placer. Attendez. On se passe. C'est sûr. Ah. On prend une frappe, je pense. Au pire. Ouais, c'est bon. C'est vous. Marteau, CD. Ouais, vous disparaissez. Il te manque des buffs, Noz ou pas? Plus en dessert, mais. T'es pop de l'ad, attention.
lentement. Et mets attention. Marteau, CD. Et on burst, c'est parti. C'est elle... maintenant. Passez-vous bien avec vos debuffs, s'il vous plaît. Dans la range, j'ai un druide. Ouais, que ça crie. Allez, fonce. Par personne. Marteau suicide dans 25 secondes, on a le temps. Ouais, que ça crie. Allez, les fonds, tous les derniers normalement. Dispel noise. Marteau suicide dans 15 secondes, on a perdu nous. Marteau suicide, bientôt, on se prépare. Marteau suicide. Ok, c'est moi. Parfait. Allez, je vous annonce. 3, 2, 1. Bougez. Pas le temps, 3, tout le monde. Hein. 2, 1. Bougez. Bouger, il va y avoir deux bumps. Allez, contre le mur. Laissez la barrière et le SLT maintenant. 3, 2, 1, bump. On bouge. Arrière, une barque. Ouais. Focus là. 3, allez. 2, 1, on bouge. La guette. Ouais. Xou, garde ton ascendance pour ce bump. Pas sûr qu'elle soit utile avant. Oh. J'ai pas annoncé le suicide, désolé. Je vais faire un capitule pour les CDI de la pourriture. C'est ok. Deuxième tempête, le HTT. Ensuite, on a l'Atranti et le RC sur le truc, le marteau de la P2. Le deuxième marteau de la P2, je mets pas la M, je la garde pour le bump, moi maintenant. Elle est pas nécessaire. En P3, on a la barrière, le SLT et l'ascendance, du coup, sur le premier bump, le marteau. En deuxième, il y aura Shintronic, AM, HTT. Et sur le troisième, l'Atranti, le SLT et la veille de Nora, enfin la veille, la Cécile de Nora. Mais là, il n'y a pas eu un problème des gens qui sont trop avancés, parce qu'il y avait des flags qui étaient déjà posés alors que le boss était en plein milieu. Il y avait ça, et aussi le fait que c'est ça a tout décalé au DPS, le fait qu'on est deux morts, du coup il y a eu le bum. Ouais, il y a eu des trucs décalés, ouais. En fait, le problème c'est que. Il y a eu les bums dans l'ordre inverse de d'habitude. C'est ça. Avant, c'est nickel parce qu'on prend d'abord le bump de l'AD qui nous met un peu de dégâts, on les remonte et ensuite le boss fait son bump et son bump fait des dégâts constants pendant genre 5 secondes. Et du coup, le problème c'est que là, on était pas en train de prendre les dégâts constants et pendant qu'on prenait ces dégâts, il y a eu le bump de l'AD qui nous a remis les dégâts, ça nous a fait. Juste pour la tranquille du troisième Gavel, pour éviter un énorme fail qui pourrait nous faire un wipe, attention à pas tranquille sur l'annonce du martelet et attention. Après le bump, parce que même si on prend les dégâts avant, elle va durer une seconde et demie, ça va servir à nous. On n'est pas des chamans, on n'a pas des trucs trop cheatés là, on peut il est bouger en même temps. Bah, comme on va sûrement prendre des dégâts avant, ça peut être tentant de la mettre à l'avance. Ah oui, non, faut pas la mettre à l'avance, on est juste après bump. De toute façon, elle est pas là, t'as vraiment. Oui. Même pas si tu l'auras.
Bon, du coup, on perd personne bêtement, comme ça on a le DPS pour faire comme d'habitude et. Non, tu bosses. Là. Par contre, c'est souvent. Dreams, tu meurs souvent sur le bump du pop de LAD. Enfin, je vois souvent tes PV low, je sais pas pourquoi. J'ai pas une charge pour le récupérer ou autre. Non, 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 j'ai plus en fait, j'attends que le coup monte. Mais... T'avais le Front of Corruption? Ouais. Ah, c'est pour ça. T'étais en. Par contre, t'étais en Stenzef. Rigari. N'oubliez pas de vous avancer quand on passe en P3. Hein. Parce que ouais. Ce qui tue les tanks généralement, c'est que moi je suis obligé de me rapprocher de vous, traverser votre zone pour retourner derrière vous à chaque coup. Ouais. On est sur les tanks, là, sont peut-être pas. Non, non, il y a le. Non, non, c'est bon, vous êtes super loin, on est obligé de faire tout, bah traverser toutes les zones pour oui, mais faut le faire enfin, pour le gavel, c'est horrible, hein. Tout le monde est réparti le long du mur. Et... On est paqué sur les tanks tout le temps, de toute façon, à chaque coup. Bah, pas au premier. Pas au tout premier. Dès oui, non, mais il faut le faire. Enfin... Bon, allez. Je dis pas qu'on le fait, je dis qu'il faut le faire. Pas très pour moi. Marteau. Le catch. Henry, target le boss. User entered your channel. On va se placer, attends la frappe qui va arriver. Ok, c'est sur moi, je me décale. Allez, placez-vous. Marteau, dans 5 secondes, on a de l'avance au DPS. Marteau, c'est dire. Vous bien. Attention. Mal. C'est pas la ballonne, please. Fonce. BL dans 10 secondes. Et il y aura aussi les marteaux. Hein, donc c'est CD plus BL plus. CD def aussi. Allez. Go. Elle fout le CD def. Marteau, mets-toi bien proche du caca. Tu veux attendre avant de faire un reste peut-être? On attend, on attend. Tu me dis sur quel kick je te rends pas, c'est bien? Sur le deuxième, après Zrings. Et oui, d'accord, mais là je fais le prochain. Là, prochain, là. Prochain. Là, je le fais. Montonne ta foi, vas-y. Monte. Je suis bon.
Ouais, que ça crie. Tenez tout le monde. En groupe, on peut se barrer. Marteau suicide dans 13 secondes. On va faire le prochain. On va venir. Allez, on se pack. On se pack. Sur le tank. Sur le carré ou le rond. Sur le rond, sur le rond. Ok, sur le rond. Marteau suicide dans 3 secondes. 2, 1. Un fiasse, ça crie. Et on bouge. Et on bouge aussi. On est paqué. 3, 2, 1. On reste sur. On remène. Attention. 3, 2, 1. Prenez pas d'avance, les gars. On bouge. Et on est contre le mur. On est dans le coin. On fait un dispel sur Kiara dès qu'il y a le bump. Ça crie, Urek. C'est des persos. On reste dans le coin. On reste dans le coin. On est sur l'AD, et on bouge dans 3, 2, 1, on bouge. Bougez pas trop vite. Attends, pas de reste, pas de reste. Marteau suicide dans 10 secondes. Ne t'es pas passé. 1, 2, et vous appliquez 1, avec ce marteau sur on bouge. Peine sup, il y a une marche à pêche. Suicide dans 5 secondes. Vous avez vu la gate. J'ai une 3, 2, 1, marteau suicide et on bouge. Easy. Parfait. Non, easy. Non, mais what? Easy! What the fuck? Mais il est mort. Qu'est-ce qu'il a cliqué? J'ai cru que la gate avait été faite, mais en fait, ouais, si, j'ai vu certain. Quelqu'un partir, mais c'était pas. Oh, c'était pas sérieux. Pas mal de cliquer dessus, tout le monde était sur la gate. Et la ballon, regardez la ballon. Putain, elle était mort, bien, là. Bon, c'est bon, ça s'améliore, c'est bien. Donc, pour le problème qu'ils y a rencontré, vous placez et vous ne bougez plus. C'est-à-dire que quand on annonce qu'il y a le marteau qui doit se suicider, vous mettez votre souris de façon à voir l'espèce de petit engrenage jaune, ça veut dire que vous pouvez cliquer sur la gate. À partir de là, plus personne ne bouge, et vous cliquez que quand c'est à vous. Mais là, quoi, on a eu la flag, où fallait bouger, plus le marteau suicide en même temps, donc on peut pas rester statique. Ouais, il faut faire les deux en même temps, en fait. Parce que là, on a eu juste le bad timer, en fait, mais normalement... À la rigueur, sur ce timer-là, les démos, ils peuvent peut-être excentrer la gate du pack, non? Non mais là, là c'est juste à nous de le mettre sur la gate, comme des ouais, petits gens. On va poser une flaque aussi. Bah oui, ça, il y avait deux gates, les deux étaient partis. C'est les flaques le problème. Ouais. Mais après, enfin... C'est pas de la faute des gates, là c'est juste les DPS, non, vous n'avez pas été sur la gate. Vous êtes un petit peu à côté de la gate, bah, sans vous cliquer dessus, c'est tout. Après c'est vrai qu'on peut essayer de le placer un peu plus devant, mais... Après on est pas sur le gate. Non mais là, il y avait pas de soucis, enfin... Après, ce que je veux dire, c'est pas la mettre, tu sais, sur le chemin, mais la mettre plus vers le centre. Ouais, vers le centre. Tiens, admettons sur notre droite, tu vois. Si tu mets une flaque là, on s'en branle plus ou moins. Ça veut dire faudrait qu'on fasse deux tours de salle, mais j'y crois pas trop. Bon, allez, on le tue. Honnêtement, c'est close. Hein. Après, ouais. le fight il est terminé là. Oh, ouais, s'il vous plaît. La gate elle est prise, le bump d'après, on a Shieldtronic et Mass CD, donc il devrait pas être tout le monde est en vie et que ça se passe bien, il va pas y avoir de soucis et après le boss il est mort. Si... Bon, en tout cas c'est cool, il y a plus de choses qui sont cool. Il faut continuer à pas y apparaître. Chongzhu pour TSLT, là quand tu claques celui du premier bump, t'en as un autre dispo après ou pas? Après oui. Il est déjà dispo au troisième quoi. Puis en même temps que la tranquille. Ok, ouais, c'est celui que tu mettras en troisième, ok. C'était pour savoir si t'avais le temps d'en mettre un sur chaque bump, mais je pense pas. La P3 durera pas 2 minutes en fait. Non, c'est 3 minutes, donc. Mais je peux le mettre au bump 2 par contre à la place. C'est quoi? Je pense que je peux le mettre au deuxième de la P3. Tu penses qu'au premier bump il est pas utile? Sinoc déco? Bah, il y a la barrière et tout. Ouais, je relance, j'étais à presque 200 MS. Bon, on peut essayer. Ça me va. Vu que je fais barrière ascendance, et puis sur le deuxième, je fais HTT SLT. Ok, ça me va, on teste comme ça. On va voir. Sur le troisième bob, si on arrive, que vous sachiez, fait très très mal, fait quasi un one shot. Tous ceux qui ont des immunes, des CD 50%, etc. Claquez tout ce qui vous reste, genre si vous reste une bulle, les pales, claquez votre bulle, les mages, votre ribé, enfin tout. Même si vous restez en immune 3 secondes, c'est pas grave. Et vous survivrez au bump.
Ensuite, vous sortez de votre truc et vous l'éclatez. Il y a des classes qui vont certainement mourir sur le dernier bump. Et on n'y pourra rien. Un rip les moonkins. Ouais, voilà, genre ça. C'est pour ça qu'ils rentrent pas haut, ils restent pas en vie les 10 dernières secondes où le DPS est le plus OP quoi. Genre les wards, voilà, soyez en par le fil de DPS à ce moment-là, ils dispersent pour prendre un truc. Ça sera bug, comment ça? Bah, sur le bump là, il sera pas, je monte à l'avant. Ok. Aurek, tu t'as dit au ward de garder la pote pour l'exec? Ouais. Ouais, gardez-la pour l'exec. Calmez vos poules, les mages. Comment? Calmez vos poules. Oh, mais ta mère. Quatre émotes. Je sais pas. Non. Kira. Qui est pas là depuis le début du coup. Ouais. C'est Batman. Allez, on suit Nora. Attention Andromède. User entered your channel. Putain, rêve. Kara, tu nous dis dès que t'es retour. Oh, bah... C'est énorme de bouger avec la frappe annihilante quand tout le monde va se paquer, hein, vraiment quoi. User entered your channel. Reset et faire un coup de feu, y'a pas Kira, abonnez-moi. Allo? Ouais. Ouais, désolé, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien. Mais... C'est pas plus simple, la personne qui a la frappe annihilante, qui bouge pas. Et que tout le monde sait qu'elle. Qu'elle bouge, hein. Bah là, elle a bougé, vu que c'est ce qui m'a ouvert en deux. Faut jamais bouger avec la frappe, sauf quand y'a le marteau et que la frappe et le mec est dessus, et du coup. Qui a mis une dope sur Nose? Ah, bravo, c'est moi, je pensais que. Je pensais qu'il allait mourir avant de. Ça, ça, ça fait pas même pour dehors, crack, c'est pas un nom. Frame quoi, ça c'est quand la frappe est au milieu et que tout le monde est sur la frappe. C'est le seul moment où le mec qui a la frappe doit bouger, sinon il est statique et les autres bougent. Ou ne bougent pas comme ils veulent, mais. Allez, le marteau. La seule frappe qui a le droit de bouger, c'est quand il y a le marteau en même temps. Ouais, et du coup, on fait comment dans ce cas-là? Puisque moi, du coup, je suis venu me mettre pour prendre les dégâts du marteau et ça m'a découpé en deux, quoi. Bah, c'est le mec qui bouge qui doit se déplacer intelligemment. Quoi. Mais c'est lui qui l'avait, je crois. Le pauvre Andromède, il est au milieu, soit il va à gauche, il dépop de sa poche, ou à droite, il dépop de sa poche. Après, si t'as pas de solution, bah, tu bouges pas. Il est calé à gauche, mais. C'est la faute des. Il était dedans, quoi. D'accord, ouais, c'est la faute des. C'est toujours la faute des heals. Écoute-le, l'ancien heal qui parle. Mais oui, c'est justement pour ça que je peux le dire. Le mec, il profite, quoi. Mais tant que là, sur le pool d'avant, moi, je l'ai eu la frappe, j'ai pas bougé, parce que de toute façon, justement, en plein milieu, que même si j'essayais de bouger, j'avais tué quelqu'un. Ah. Et vous l'avez taunt, et ça a sauvé tout le raid, en fait. Non, mais il y a des fois, je le fais, elle se retourne même pas. Ouais. Ah non, je sais bien. La groupe passe sur moi, mais non. Elle me dit de me faire foutre en fait. Ah, parce qu'il y a des fois on peut pas le faire, c'est l'histoire de timing. Si on vient juste de switch ou autre. Moi, dans tous les cas, DCR, c'est la merde quoi. Ah, la frappe, elle t'a mis 200k sinoc alors que t'étais sous écorce, ça bouge. Thank you.
un jet de ce Rock. Ouais. Ça paraît pas être tout à l'heure ? Bah, je croyais, mais apparemment. Ouais, moi aussi, je suis arrivé. On peut lancer Andromède, c'est bon ? Le cac, faites gaffe à votre placement. En P2, restez pendant la range des temps, tu regardes bien. Vous voyez que vous prenez des dégâts de play 3 secondes quand le boss casse, c'est que vous êtes dans la range. On va avoir un marteau. Je blink out. Ouais, j'ai tout le dessus, Rek. Parfait, parfait. Non, il l'a fait. Non. Oui, bah, il l'a fait sur Isilot. Je suis pas sûr. Hein. Si. Non, mais c'est bon, il me l'a fait sur moi, mais j'ai blink out. Ouais. Pas sûr que Isilot l'ait pris, hein. Regarde. Si, je l'ai pris. C'est pas cool les yeux, c'est par contre. Désolé les cacs. Ouais, on se passera après la prochaine frappe. Attendez. Après cette frappe. Attendez. On y va. On va passer au. Ok, marteau dans 5. Monte. Vous oubliez pas dans les fontes, hein. Vous sortez quand votre debuff s'en va. Hein. J'annoncerai mon groupe. Le premier groupe, je l'annoncerai. Les fontes, attention. Vas-y, le bug. 30 secondes. C'est vrai que ça crie. Doucement. Appel dans 10 secondes. Alors aussi un marteau, n'oubliez pas. Mon groupe, on va commencer à reculer. Doucement, mais le groupe. Non. On va se replacer. Full CD. Ouais, avec la clé. Par des personnes. N'hésitez pas sur vos copains, s'il vous plaît. C'est gentil. Monte. C'est 30. Ouais, maintenant, oh putain! Oh ah, enfin, pas de raison. Oh non. Allez, fonte, attention. Brim, Vigi. Pilote. Quoi? Vigi. Osef. Et oui. Vous avez le temps avant le suicide, mettez-vous déjà sous le boss, pour faire un déplacement, ouais. Et ensuite vous placerez la gate. Dans 5 secondes, le marteau, on bouge. Il y a déjà la gate qui est passée. Il y a déjà la gate, vous l'avez vu. Allez, main dans le suicide. Réseau. Parfait. Attention. Okay.
Hein ? Claque les deux DPR. On se palie bien, monopixel. 3, 2, 1, on bouge. On est dans le coin. On bouge pas. Bientôt deux résistants. À la attends, seconde où elle s'est sortie, on dispelle les zoos. Et les persos. Et on redispelle ici. Redispelle l'instant celui qui a des buffs. Faut free, faut le dispelle. Et on bouge dans 3, 2, 1, on bouge. Fais une sublime, elle n'a pas de sac. Faut faire l'ad, les gars. L'ad. 2, 1, on bouge. 13 secondes, 12 secondes le suicide. La diète faudra l'avancer un petit peu. 8 secondes le suicide. 3, 2, 1. On reste sur résultat. Sacré Orek, sacré Orek. Suicide, attention. Maintenant, elle. Ok, nice. 3, 2, 1. On est bump, on se met contre le mur. Chiltronique. Bon. Elle chiltronique tout le monde. Hein. Bougez pas, bougez pas. Bougez pas. 3. On dispelle la balle. 1. On bouge. Paquez-vous, s'il vous plaît. Kara CD. Paquez-vous. Nicelade. 3. CD sur Rafia. 2. 1. On bouge. Et full boss, full CD qui vous reste. 3. Ça va être le bump là ou pas, Aurek? 3. 2. Attends, 1. Après le bump, il est juste après, donc bouge. Prochain, ça va être full CD. Zena, Vigilinfia. Vigilinfia, il y a tout le temps. Ok. Full CD. Full CD, tout ce qui vous reste. User entered your channel. Et tout, tout, tout. Le marteau, deux, c'est un suicide. Un. Dites une gate. Une gate. Bouge. Une gate. Il y en a une. Maintenant. Chorizo. Chorizo. Bon, ça va. Et ça passe. Un. Allez. Allez. On bouge. On bouge. Bougez vite, bougez vite. Allez, 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 Thomas. Allez, les mecs. Chut, chut, chut. Allez. C'est bon, GG. Yes. Oh, nice. Enfin. Putain. Putain, GG. Je suis moins mort qu'Azu sur le down. Bon, je vais me coucher, moi. Question, les gars, je vous raconte même pas. Mais attends, mais c'est moi, à la fin, on avait GG sur l'ISO, le 10 ans gate. Hein. Ça, attendez, ça à la fin, on avait Laura qui réduit les PV. Si, si, si. Mais elle est très bien tenue et c'est pour ça que la fin c'est beaucoup mieux. Oh putain les gars. Le cœur qui bat, ah la même, ah putain. Yes. Yes. GG. GG. Ah là putain t'es quoi. Ouah, elle, j'étais je sais pas pour vous l'ayez mais j'étais de chez j'étais en train de spammer dès que mon mana revenait. C'était horrible. Ah, j'avais vraiment plus rien à la fin en CD quoi. Oula, mais Dreams, j'avais envie de t'insulter sur la fin. Quoi? Je fais Vigi Izena, y'a Dreams qui me met la vision en même temps, c'est genre bon. Bon bah tant pis. Pour être sûr que t'es une Vigi. Ah oui bah. Pour être sûr que j'avais, je l'ai eu. GG tout le monde sinon. Auric il en peut plus. Oui. Mais je suis trop. C'est bon, l'orgasme, t'as fini. Ah, il a jamais vu kiffer dans sa vie, attends. Oh, ça c'est plus bon que toute sa vie. Dernier pool, dernier le don. Oh là 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 là, ça rase maudite. Bon, par contre, je suis un peu déçu, y'a pas la masse qui a looté. La fameuse, le fameux dame de minuit. Ouais, c'est celui-là, minuit pile. Allez voir, c'est par contre, ça. On est loin du 176k Tani. Bah, après, il l'a fait quand aussi. Peut-être qu'ils étaient habitués au combat. Hein. Il l'a fait en mode je garde tous les CD pour les Z et je claque rien quand on met la BL aussi. Hein. Ouais, et puis je crois qu'il est tout seul sur les exactas en fait. Par contre, du coup, Aldry t'es un peu au fond quoi. Bah du coup ouais. Par contre je te jure. T'es un petit peu deg d'avoir eu le premier suicide je suppose. Non mais en fait j'avais pas la... J'avais pas la gate en target. J'ai juste passé ma souris, j'ai cliqué au hasard. Je suis tombé dessus mais... Je cliquais pas, c'était pareil. Hein. Et c'est le mec qui disait juste avant... Bah les gars... Je la trouvais pas. On se prépare avant les suicides ouais, histoire d'avoir le petit engrenage jaune. Pendant qu'on était en train de tomber le bus, il était en intérieurement, il était là putain mais le tombait pas quoi. Le tombait pas non. Encore un combat où qu'on tombe avec Eldrimor, tu vois. Pas vraiment présent. J'ai envie de dire, c'est. Mais j'ai dit tout le monde. Quoi.
Journée Yel, t'as de quoi pote un tel. Ouais. Mais moi, mais c'était. Mais ma mana. J'étais à poil en mana. Non. Quelqu'un téléphone à Canox ou je le fais. Oh ouais, la Canox est pas. Si tu lui téléphones, ça va être bonne ambiance le coup de fil. T'inquiète pas. Ça risque de vite bien se passer. Tout va bien se passer. Ça va passer en douceur. C'est comme à la piste TNR. C'est comme les impôts, mec. Ce qui paraît, c'est le premier tir. C'est ça quoi. C'est complètement ça. Bon, GG. Ouais, vive moi. Zilote, la réflexion, mais 10 ans après quoi. Le mec, il vient de décompresser, changer de benne. Ouais, c'est surtout ça, changer de benne. Changer de slip. Ouais, j'en peux plus. Je commence à avoir un petit peu mal à la tête de tout regarder. T'es mort de. T'en fais pas. Tu vas pouvoir passer. Et une bonne nuit. C'est la première fois, je crois, où si on avait proposé un pool de plus, j'aurais dit non. Putain, je viens de perdre mon premier bateau, fais chier. A priori, en termes de classement mondial, l'équipe de Velary, c'est le meilleur qu'on ait fait jusqu'alors. Comment ça? Bah si tu veux, on doit avoir fait le 530ème kill de Velary. Non, on a fait. Parce que là, on a le mieux qu'on ait. C'est 170ème sur... C'est Zakuna, Zakuna Shem. 663. Non, on a gratté... Zakuna Shem, on s'est déchiré dessus, quoi. Non, on va faire un 170 monde. Attends, si je te dis... Ouais. Pour la... Qui c'est qui a quitté le raid, là? Nose. Bah, il va être Zakuna Shem, on est 185ème ward. 185ème, ouais. C'est sûr. Premier serveur, tu sais. La grosse blague du monde. Je crois qu'on était un peu mieux même dessus la première fois. On l'a ouais, je sais pas pourquoi ça a changé. Je crois qu'on était dans les 160-170. Oh putain, non, je m'en remets pas les gars. Elle, moi, je parlais du kill mythique, hein. Enfin, des kills. Ah pardon. Des kills qui comptent quoi. Bon, en tout cas, Holobot. 500 EP cadeau parce que c'était un beau kill et que c'était un boss difficile quand même. On a tout le sérieux là. Du coup, Zulorak. Du coup, bah. Comme tu nous as dit, Zulorak, on fait rien vu qu'on a pas de DK. Alors, du coup, GG, on a fini notre avancée PVE HL. Allez, GG, voilà, on a clean le progrès. Oui. Non, je réfléchissais un truc. Du coup, tu veux. Avec la compo qu'on a, on a quand même 3 mages, hein. Ou Zulorak, c'est quand même OP. Ouais, mais le problème, c'est que les mobs. Après, concrètement, c'est quoi le souci? Ah, bah, les diabolotins. Non, mais t'as 2 Moonkin. Ouais, c'est ce que je voulais dire, t'as des typhons vortex. T'as des mobs, des typhons, on va juste devoir utiliser nos sorts. C'est... Ah, bah, de toute façon, on a pas le choix, c'est ce qui est prévu. Mais voilà, ça sera pas aussi simple que le clip de masse. Oui, mais c'est simple. Je pense que t'as déjà Sinnoh qui plonge dans tous les sens pour un deck, ça va être compliqué. Crax, t'as pas eu les EP de fin de raid là? Si, si, bah, tu rigoles ou quoi? Les 500, bah, c'était pour les deux, hein. 500, c'est le bonus, attends, il y a non. C'est 250 pour le bonus et 250 pour la fin de raid. Putain, quel rapace celui-là, putain. T'as vu? Et d'ailleurs, attends, j'ai pas eu mes EP de début de raid, moi.